Ok, maintenant le direct a commencé. Alors, déjà, ceux qui sont connectés, ok, je voudrais déjà dire saluer déjà à tous les Ivoiriens qui sont connectés. Alors, chers amis, avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous faire écouter, je l'ai dit, ok, je voudrais d'abord faire quelques précisions avant de commencer ma vidéo. Vous savez, je l'ai dit, hein, depuis que nous sommes hors de notre pays, ça fait maintenant depuis 2010. Suite à la crise post-électorale de 2010, nous nous sommes retrouvés tous hors de la Côte d'Ivoire. Et préciser à certains Ivoiriens que Zasso n'est pas le premier réfugié de la crise ivoirienne. Je ne suis pas le premier réfugié de la crise ivoirienne. Avant moi, il y a eu des réfugiés du régime Bédié. Il y a eu des réfugiés du régime Guéroubert. Il y a eu des réfugiés du régime Gbagbo. Aujourd'hui, il y a des réfugiés sur le régime Ouattara. Donc, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Soit salué Faro, Faro Koné. Voilà, Ahmed Diogo, soyez salué. Donc, je ne suis pas le premier réfugié. Et des mouvements de résistance à Paris, la plupart de nombreux Ivoiriens qui sont dans la résistance à Paris sont aussi des réfugiés du régime Gbagbo. Nombreux sont dedans. Ils sont réfugiés du régime Gbagbo, du régime Bédié, du régime Guéroubert. Non, je ne suis pas le seul. Quand je suis arrivé au Ghana, j'ai trouvé même l'existence d'un camp de réfugiés, des nombreux camps de réfugiés, où il y avait déjà même des pro-Ouattara. C'est-à-dire, sous Gbagbo, il y a des pro-Ouattara qui étaient sortis de la Côte d'Ivoire et qui étaient réfugiés au Ghana, au Togo. Au camp d'Avezepo, au Togo, il y avait aussi des pro-Ouattara que moi j'ai trouvé là-bas. Donc, la crise ivoirienne, là, la crise ivoirienne, ça veut dire qu'elle n'est pas née en 2010, elle n'est pas née de nos colères. La crise ivoirienne vient du fait que nos hommes politiques eux-mêmes, arrivés à un certain moment donné, ne se sont pas fait confiance. C'est un manque de confiance et autres qui ont fait qu'aujourd'hui, les humiliations, les injures, la haine et tous ces autres-là, c'est ce qui a créé aujourd'hui la crise ivoirienne. Ça a commencé depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. Et dire à certaines personnes, à certains pro-Gbagbo et autres, subitement, qui sont devenus des séroïstes aujourd'hui, qui soutiennent Soro, que moi, je ne suis pas contre le fait que vous soutenez Soro. C'est votre choix et je respecte cela. C'est votre choix et je respecte cela. Moi, je suis un démocrate. Seulement, je ne peux pas accepter. Quand je ne peux pas accepter. Qu'on soit dans des alliances, on soutient des gens parce qu'on veut déstabiliser le régime d'Abidjan. Je me suis battu à défendre les régimes quand j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, mon combat là, c'est pour le respect des institutions. C'est pour le respect de l'État. C'est pour le respect de la République. Je ne fais pas de combat. D'autres pensent que comme Zasso en Suisse, Zasso doit rester dans une logique de déstabilisation du régime Ouattara. Je suis désolé. Si c'est ça, vous appelez Aimé Ouattara, alors je l'assume.
Parce que sur Gueye, je me suis opposé. Sur Bédié, je me suis opposé. Sur Gbagbo même, je me suis opposé. C'est pas sur Ouattara, je vais appeler au soulèvement et à la déstabilisation du régime Ouattara. Ça veut dire que je ne suis pas cohérent. C'est une question de logique. Moi, je suis dans une logique. Je ne suis pas dans les émotions ni dans les colères des gens. Quand je venais ici, là, je n'ai pas dit à quelqu'un, accompagne-moi. Je n'ai pas dit à quelqu'un, paye mon billet d'avion. Je suis venu de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé ici. Quand il y a eu la crise et quand je fuyais, j'ai pris moi-même ma famille et je suis rentré en Europe avec ma famille. Donc moi, je suis un responsable. Si j'ai protégé ma famille, je dois me battre pour protéger ceux qui sont au pays. Si j'ai protégé ma famille, je dois me battre pour protéger les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que toute tentative de coup d'État contre Ouattara, déstabilisation contre Ouattara, je ne vais jamais l'accepter. Désolé, mais je ne vais pas l'accepter. Vous pouvez faire vos alliances. Mais si vous m'appelez ici pour dire Zasso, nos alliances, c'est pour aller aux élections de façon pacifique avec des idées, avec un projet de société, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire des alliances, parce qu'entre vous là, quand vous m'appelez là, votre problème là, c'est que moi je dois m'associer à vous pour déstabiliser Ouattara sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Ouattara m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Aujourd'hui, souvent, vous riez. Mais au contraire, c'est plus pour vous, j'ai pris plus de risques. C'est pour vous, j'ai pris plus de risques. Donc, moi, ce que vous faites là, moi, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Et souvent, je me dis, il y a beaucoup de choses à faire. Je me dis, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, ce Gbagbo à la Cour pénale internationale. Blaise Goûté à la Cour pénale internationale. Et nombreux Ivoiriens sont en prison. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné, c'est-à-dire les cadres FPI et les pro-Gbagbo, vous êtes restés dans une logique de guerre avec Ouattara. Là où Bédié, à un certain moment donné, a laissé le pouvoir. Quand les militants ont pris les armes, et qu'ils ont pris en 99 le plateau, mais les cadres FPI étaient là, nombre de ces cadres FPI sont allés même au plateau rejoindre des soldats pour leur dire « battez-vous pour que Ouattara et Bédié partent du pouvoir ». Moi, je suis témoin. Je suis témoin. Quand vous allez dans les rues et vous encouragez des militaires, des soldats à chasser un chef d'État au pouvoir alors qu'il était en fonction, il lui restait peut-être un an de son mandat. Vous avez persisté, vous les cadres du FPI. Vous êtes là, vous êtes témoins. Et moi, je sais de quoi je parle. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Mais quand Gueye est parti, Bédié est parti, ceux qui sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont organisé une élection avec Gueye Robert. Les problèmes pour lesquels ils se battaient dans le Front républicain. Mais dans le Front républicain, là, les marches ont fait des morts. Mon combat, c'est le respect des droits de l'homme. Mon combat, c'est le respect de la vie des Ivoiriens. La vie humaine, il faut qu'elle soit importante en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans notre institution, dans notre constitution, il est inscrit qu'on ne doit pas ôter la vie à vie à un Ivoirien. C'est écrit dans notre constitution. Donc moi, je fais mes trucs en fonction des lois. Je ne suis pas un analphabète. Vous pouvez soutenir Gbagbo et Soro, c'est votre opinion. Gbagbo peut vous dire de la CPI. Blaise Goûté peut vous dire de la CPI. Soutenez Soro, c'est votre opinion. Je vais dire à ceux qui sont au COGEP et au FPI, je vais vous dire, c'est votre opinion. Dans la ville, chacun a sa vision des choses. Moi, j'ai une vision de la Côte d'Ivoire. J'ai une autre vision de mon pays. Parce que je suis né là, j'ai tout obtenu là. Quand je naissais, c'était dans la stabilité, c'était dans la paix. Aujourd'hui, mon combat, c'est de faire de sorte que cette génération qui est là, qu'elle aime Ouattara, qu'elle n'aime pas Ouattara, n'est pas le débat. Le vrai débat, comment faire pour accompagner Ouattara à nous créer les conditions d'une vraie stabilité. Pour que moi, ma jeunesse là, notre génération, on fasse la politique dans la paix. Voilà ma façon de voir les choses. Voilà ma façon de voir les choses. Et c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de compliquer les choses. Vous aimez Ouattara, vous ne l'aimez pas. Ça, c'est votre opinion. Et moi, je respecte ça. Sur la terre, on n'est pas fait. Gbagbo, là, quand il était au pouvoir, tout le monde ne l'aimait pas. Bédié n'était pas aimé par tout le monde. Gueye Robert n'était pas aimé par tout le monde. Non, quand vous aimez Ouattara, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'en France, là, Macron est respecté par tous les Français? Il est aimé par tous les Français? C'est pas tous les Français qui aiment Macron, mais Macron est président. Aux États-Unis, c'est pas tout le monde qui aime Trump, mais Trump est président. Parce qu'eux, ils sont civilisés. Ce sont des intellectuels. Une fois que quelqu'un est au pouvoir, on se bat pour respecter celui qui est là, parce que c'est lui qui est le président. Je l'ai fait sous Gbagbo, je vais le faire sous Ouattara. C'est pas parce que je suis en exil. On dit, non, Zassé, c'est un faux exil, exil. Non, moi, je ne suis pas opposant à Ouattara. Je ne suis pas un opposant. Je suis de la société civile. Moi, quand j'allais à ORDN, j'avais mon mouvement politique qui est légalement connu, qu'on appelle le mouvement pour la défense de la vraie refondation. Ça y est, sur Google.
C'est avec un mouvement politique que moi j'ai soutenu le président Ouattara. Je ne suis pas son opposant. Moi-même, depuis le début, je suis de la société même civile. Et en même temps, je mélange tout. Non, on ne peut pas me distraire. Moi, je ne suis pas militaire bien. Je n'ai jamais pris de cadre de militant des partis politiques. Je ne l'ai jamais fait. Parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Alors, si vous pensez, je vais revenir. Si vous pensez que le fait d'être en Suisse et puis parler de paix, condamner tout ce qui est forme de déstabilisation du régime Ouattara, c'est une trahison. Mes chers amis, je soutiendrai Ouattara. Je suis désolé parce que c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui incarne les institutions. Oui, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui incarne les institutions. Je l'ai fait pour Gbagbo, je le ferai pour Ouattara. Il n'est pas mon ennemi. S'il est votre ennemi, c'est votre problème. Mais vous étiez dans le Front républicain avec lui. Vous avez fait alliance avec lui, mais moi j'ai respecté ça. Est-ce que je me suis opposé? Je me suis opposé. Vous avez tout fait à Ouattara et le RDR. Moi je connais des cadres du RDR qui ont fait la prison pour Gbagbo, la maître Bakayoko, de quoi? Quel risque ils n'ont pas pris pour Gbagbo? Quel risque ils n'ont pas pris pour Gbagbo? Alors je suis là ce matin. Je suis là ce matin pour dire aux uns aux autres, partagez la vidéo, envoyez ça à tout le monde, chers amis. Je vais dire à certaines soeurs, je suis là ce matin pour parler aux uns aux autres. Il y a des gens qui disent, Zasso, chers amis, moi je ne suis pas venu ici pour chercher travail. Quand on est réfugié là, quand tu viens dans un pays qui est réfugié là, premièrement on te dit que tu n'es pas venu chercher travail. Ça dit que dans ton pays, il y a eu une crise. Et c'est compte tenu de cette crise là, toi tu as quitté le pays. Ici là, en Suisse là, quand tu viens d'abord là, eux c'est ta protection. C'est ta protection. Je ne suis pas aventurier. Je ne suis pas un aventurier pour dire que je cherche travail. Non, je ne suis pas aventurier. Je ne suis pas aventurier. Peut-être que vous ne savez pas ça, c'est de l'ignorance. Moi, j'ai demandé l'asile pour d'abord ma sécurité, ma vie personnelle à moi, la vie de ma famille. Je ne suis pas aventurier pour chercher travail. Il y a des gens qui sont venus à l'aventure pour avoir du travail. Moi, je ne suis pas venu à l'aventure. Secondo, ici là, c'est parce que je suis conscient qu'un homme doit travailler. C'est pour ça que ici là, moi je travaille. Et quand je travaille là, j'arrête les petits et puis je vais aussi à l'école. Je poursuis un peu mes études parce que je sais ce que je veux. Est-ce que vous comprenez? Vos lois que vous avez dans d'autres pays et puis ici là, c'est pas la même chose. Donc ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Et puis ici même là, quand on est ici là, quand on est ici là, on ne se bat pas pour créer les conditions de l'instabilité dans son pays. Moi je ne peux pas être ici où j'ai fui la guerre. Mais pourquoi je ne suis pas mort en Côte d'Ivoire? Je pourrais rester en Côte d'Ivoire pour mourir. Pourquoi je ne suis pas mort en Côte d'Ivoire? Pourquoi je ne suis pas resté sur le terrain à mourir et puis j'ai fui après un certain moment donné? Si j'ai fui là, c'est parce que j'ai voulu protéger ma vie et celle de ma famille. Aujourd'hui, je dois faire de sorte que la vie de ceux qui sont restés au pays soit protégée. Je sais de quoi je parle. Vous allez m'apprendre quoi? Vous allez m'apprendre quoi? C'est pour ça que je voudrais dire aujourd'hui, mon thème, il est clair. Envoyez la vidéo à tout le monde. À certains bêtés, c'est mon terme. Pro-Gbagbo devenu soroïste, parce que moi, je ne peux pas dire tous les bêtés ne sont pas FPI, tous les pro-bêtés ne sont pas pro-Gbagbo. Et ça, il faut que les gens mettent ça dans leur tête aujourd'hui. Je l'ai dit et je le répète, on ne fait pas la politique pour son ethnie. On ne fait pas la politique pour faire la promotion de sa région. Ce n'est pas pour ça qu'on fait la politique. Moi, je suis en global national. Mon combat, c'est la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. C'est ça le vrai débat que les gens doivent comprendre. Je ne suis pas dans les émotions et je ne vais pas gérer les émotions des gens. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, la femme de Gueye qui est morte, elle est bêtée. Moi, on l'a tuée. Je me suis battu pour que la justice, ça a été fait. Non, le fait que Gbagbo soit en prison n'est pas une fatalité pour moi. Moi-même, quand je suis rentré au Ghana, même avant même la chute de Gbagbo, je me suis débattu pour ne pas que Gbagbo soit à la CPI. Même pendant la crise à sa résidence, je me suis déplacé vers des cadres. Pour aller leur dire, il faut arrêter la guerre. Il faut dialoguer, il faut freiner tout ça. Il faut amener le... Parce que j'étais en Côte d'Ivoire quand les gens ont pris la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire à Bidjan, puis mes parents m'appelaient des Gagnois. Ça ne va pas. Mes parents pleuraient. Dans les villages, les gens pleuraient. Donc, je suis un homme conscient. Je ne suis pas aussi bête que ça. Je ne suis pas aussi bête que ça. Je connais combien de Gagnois, des gens qui ont été humiliés dans leur chair. Parce que Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. Parce que le FPI n'a pas protégé les Ivoiriens. Parce que John Soro n'a pas protégé les Ivoiriens. C'est Som Diorro qui était le ministre de la Défense de Gbagbo, premier ministre, ministre de la Défense.
Non, il était censé nous protéger. John Soro Gbagbo était censé nous protéger. Ils ne nous ont pas protégés. C'est pour ça que moi, je suis là. Je n'ai pas dit qu'il partait en Europe pour chercher travail comme vous. Je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai même pas dit ça. Donc, arrêtez ça. Ici, on ne m'a pas donné où je suis là. On ne me protège pas parce que je cherchais travail. Si j'étais cherché travail là, vous pensez que c'est que où je vis? On peut même me donner. Ce n'est pas ça. Je suis désolé. Et je voudrais dire, parce que hier, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, une grande sœur qu'on appelle Béa Koukounion. Elle a fait hier une vidéo que moi j'ai vue. Mais je voudrais dire à ma grande sœur Béa Koukounion. Une minute. Alors, chers amis, envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez-leur, dites-leur qu'en global assis. Je voudrais faire cette précision à ma grande soeur Béa Koukounion, parce que hier dans ta vidéo, tu as parlé beaucoup. Et je t'ai écouté, mais quand tu as fini ta vidéo, tu es encore venu dans mon inbox pour insulter ma mère. Tu es venu insulter ma mère, mais pour une fois, je vais faire écouter ça aux Ivoiriens. Parce que je l'ai dit et je le répète. Quand tu t'engages dans un débat politique, il faut t'attendre à tout. Moi, là, je n'ai pas commencé la politique sur les réseaux sociaux. Je suis le seul leader politique dont sa mère est toujours insultée sur les réseaux sociaux. Ma famille est toujours insultée sur les réseaux sociaux. Des gens font des vidéos. Je suis le leader de jeunesse entre vous tous. Je suis le seul depuis 7 ans qu'on traite de tout. Mais moi, je prends acte. Je prends acte et puis je respecte vos opinions. Parce que c'est ça aussi le niveau, la façon de voir les choses dans la vie. Ici en Europe, là, ici en Suisse où je vis, là, tu peux soutenir qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. On ne peut jamais te traiter de quoi que ce soit. Jamais. Et puis quand tu traites quelqu'un de vendu, de tête, tu le livres à la vindique populaire. Quand je vais te dire à Koukounion, que les derniers moments de la crise, à Yopougon, moi, je suis civil. J'ai vu des soldats, des militaires qu'on a tués, devant leurs enfants qu'on a battus. Et ceux qui l'ont battu, c'est certain, probable. Je vais te dire la vérité. Il y a eu des règlements de compte entre certains. C'est un truc babo. Devant moi, des gens sont tombés. Il y a des gens qui ont pris leur téléphone, que je connaissais des amis qui avaient des problèmes. Et tu m'as dit, ah, Zasso, tellement que la crise est là, je n'ai rien à manger, c'est dû, ma famille. Il y a des gens même qui lui expliquaient d'autres problèmes. Il y a une personne qui a pris le téléphone, je ne dirai même pas son nom. Simplement le fait de m'appeler, alors que sa femme, en pleine crise, sa femme, on devait amener sa femme à l'hôpital parce que sa femme devait accoucher. Le monsieur, il était avec des gens, il a pris le téléphone, mais c'est moi, Zasso, qui l'appelais. Les gens pensaient qu'il était en complicité avec certaines personnes. Mais, chers amis ivoiriens, ils ont battu le monsieur. Ils l'ont abattu. Et ce sont ces histoires des propres babos qui l'ont fait. À Yopougon, je suis allé, on m'a appelé, ma père à son nom, Madi Lotoka. Parce que Madi Lotoka, quand il était encore dans son mouvement, j'ai réussi. Envoyé dans les agora parlement via Madi Lotoka, le ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes allés faire un grand meeting avec le ministre Amon Tamo. Madi Lotoka nous a permis, parce que c'était des gens avec qui je créais les conditions d'un dialogue, avec qui je changeais sur beaucoup de sujets de notre pays pour la paix. J'arrivais même à sensibiliser beaucoup d'entre eux. J'appelais Madi Lotoka, j'ai dit voilà un problème. On arrive là-bas, ils ont battu mon ami. Mon ami a été abattu parce qu'on pensait qu'il était en complicité avec quelqu'un.
Ils l'ont abattu. Je suis allé, j'ai vu son corps. Et je leur ai dit, non, c'est moi qui l'appelais parce que sa femme est enceinte. Sa femme est enceinte. Mais pour l'émotion de Gbagbo, pour l'amour de Gbagbo, on a détruit le monsieur. On l'a tué. Vous savez, moi, j'aime pas. Donc, oh, je suis assis là. Je suis assis là. Quand je me mets devant mon ordi là, c'est pas pour jouer avec quelqu'un. C'est pas pour jouer avec quelqu'un. C'est pour me battre pour que la paix revienne dans mon pays. C'est pour me battre pour que la stabilité revienne dans mon pays. À Yopougon, des gens lancent des rentes roquettes et ça tombe sur des enfants. Moi, je prends ces enfants-là, je les mets dans ma voiture pour les amener à l'hôpital. Il n'y a même pas d'hôpital. Ces enfants-là sont morts. Beaucoup sont tombés. Des innocents sont morts. Même que ce soit chez les pro-Ouattara. J'ai vu des églises qu'on a détruites et des musulmans qu'on a brûlés. Des gens qu'on a calcinés. J'ai vu ça dans cette crise. Non, aujourd'hui, si moi je suis dans mes directs et puis j'interpelle John Soro, c'est parce que c'est lui on a confié l'organisation des élections. Il était le ministre de la Défense, Gbagbo était le premier ministre. Donc lui et Gbagbo étaient censés de protéger ces gens qui sont morts. C'est leur travail. Quand on est au pouvoir d'État, c'est pour protéger un peuple. Quand on est au pouvoir d'État, c'est pour défendre un peuple. C'est pas pour accuser quelqu'un. C'est pas pour accuser quelqu'un. On prête serment pour protéger un peuple. On prête serment pour protéger une nation. On ne prête pas serment pour narguer le peuple. Moi, je suis désolé. Donc, tout système politique en Côte d'Ivoire, tu peux créer les conditions d'une vraie stabilité, j'aurai mon soutien. Ah oui, en Europe où on vit là. Est-ce que vous avez vu d'autres pays venir créer une rébellion pour entrer en France? Ah non. Aujourd'hui, Macron est dans ce défi. Aux États-Unis, partout, en Europe. Chaque régime s'arrange à créer les conditions de stabilité dans son pays. C'est le sens du combat des assauts. Aujourd'hui, moi, en Côte d'Ivoire, je veux des leaders, des hommes capables qui peuvent protéger ce pays et pas pour les émotions. Alors, je veux dire aux uns aux autres qui sautent. En France là, Macron là, il a laissé Hollande. Il a créé son parti politique. Quand Macron a fini là, même les Sarkozy, tous les dinosaures, ils ont soutenu Macron. Aux États-Unis, ça a été la même chose. Parce qu'eux, ils sont cultivés, on leur a appris ce que c'est que la politique. Ce n'est pas comme en Afrique où on est encore en retard. En Afrique, on est en retard. Pour nous, la politique, c'est la haine. La politique, c'est la haine. Ici, là, je vous l'ai dit. Ceux qui ont fait la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, qui ont tué, ont été arrêtés et jugés. Je le répète. Ceux qui ont créé la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ceux qui ont violé les droits de l'homme, qui ont commis des crimes graves, ont été arrêtés, emprisonnés. Même au Rwanda, ça a été le cas. Si moi je fais ma politique, que je m'adresse à Soro, c'est parce que c'est lui qui était ministre de la Défense. C'est Soro qui a organisé les élections. C'est Soro qui a créé la rébellion à Boaké et il l'a assumé. Donc vous ne pouvez pas me distraire. Vous les Biakoukounion et autres, vous ne pouvez pas me distraire. Et puis c'est hier, vous êtes dans le débat politique, nous on est dedans. Vous êtes des cyberactivistes. Moi, Zassola, je suis politicien. Non, un politicien là, il doit toujours savoir s'arrêter. Il doit toujours savoir s'arrêter parce qu'il y a un peuple qui est derrière, qu'on veut protéger. Il y a un peuple qui est là, qu'on veut défendre, les faibles qu'on veut défendre. Je ne suis pas dans un truc où je protège mes intérêts. Moi, je ne suis pas un égoïste. Pendant 10 ans, vous avez passé votre temps à justifier la rébellion de 2002. Moi, je ne suis pas de fonction dans un régime de Gbagbo. Je n'étais pas conseiller, ni conseiller militaire, ni cadre du régime FPI. Moi, je suis un citoyen civil, un civil. Je ne suis qu'un civil, moi, Zasso. Je suis qu'un civil. C'est moi qu'on doit protéger. Comme tous les autres Ivoiriens. C'est vous qui avez passé votre temps à justifier la rébellion. Alors que cette rébellion-là, le FPI savait. Nous connaissons l'histoire de la rébellion. Elle n'a pas été inventée. Ce sont les conséquences, les coups d'État que vous avez soutenus. Les coups d'État que vous avez produits là. Ce sont ces conséquences-là qui ont créé la rébellion de 2002. Et John Soro l'a assumé. Non, John Soro lui-même ne peut pas faire des livres. John Soro lui-même ne peut pas faire des déclarations partout dans le monde entier.
dit que c'est lui qui a créé la rébellion. Et c'était pour chasser Babo du pouvoir. Et vous, vous allez me dire que moi, je suis devenu Dieu aux yeux du monde entier, que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Ça répond à quoi? Je ne suis pas un alphabète. Je ne suis pas un alphabète. Pourquoi il m'assied ici pour dire non, c'est Ouattara qui a créé le. Non, moi là, je veux les preuves. John Soro a des preuves. Quand je tape sur YouTube là, John Soro parle, il fait des déclarations, il dit tout, il dit Babo là. Lui, sa mission, c'était de chasser Babo du pouvoir. J'ai ça. Alors, on continue. Donc, chers amis, moi, j'ai ça. Bon, ça va venir. J'ai peut-être que mal positionné mon truc. Alors, chers amis, c'est ça le vrai débat. Moi, j'ai des preuves et tout est là. Et vous tous, là, vous avez les preuves. C'est vous, sous vos yeux, on a signé les accords politiques de Ouagadougou. C'est vous, sous vos yeux, on a signé tous les accords. Où on a amnistié, on a pris des ordonnances pour amnistier Soro et ses mutins. La casse de la BCAO. La casse de la BCAO. Donc, ce n'est pas quelque chose, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour dire, amusons-nous. On n'est pas là pour s'amuser. Le combat que nous menons, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Dites-le à ceux qui font des vidéos qui parlent là. Comme moi, Côte d'Ivoire, là, pas ça, je n'ai pas autre pays. Il y a nombreux qui sont venus à l'aventure. Eux, là, quand ils ont eu papier blanc, là, ils sont restés ici. Ils n'ont plus de projet en Côte d'Ivoire. Nombreux d'entre nous, là, se sont battus pour rester éternels. Ici même, d'autres sont ici, ils ne rêvent même plus de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont eu papier français. Nombreux ont eu papier français. Eux, là, ils s'en foutent. Même si la Côte d'Ivoire brûle, ils s'en foutent. La preuve, ils étaient ici, puis la Côte d'Ivoire brûlait. Nombreux ici qui parlent, qui font des marches, qui crient, qui insultent, qui menacent là. Vous étiez ici quand la Côte d'Ivoire brûlait. Depuis le temps de Bédier, il y a eu le coup d'État, vous étiez ici. Chez Guy Robert, il y a eu le coup d'État, vous étiez ici. Sous Babo, il y a eu la rébellion, vous étiez ici. Même la crise sous Ouattara, vous êtes là, vous êtes encore là. Mais il y a longtemps que vous êtes là. Nous là, on veut retourner chez nous, c'est notre pays. Nous là, c'est notre pays. C'est Côte d'Ivoire, c'est pour moi. Et moi, j'ai des rêves pour mon pays. Je ne suis pas comme les aventuriers. Je ne suis pas un aventurier. Mais il y a aussi des aventuriers consciencieux. Il y a des aventuriers consciencieux parce que ces gens-là ont des familles en Côte d'Ivoire. Il y a certains qui ont quitté la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent aller réinvestir dans leur pays. Je salue ces Ivoiriens. Je salue ces Ivoiriens consciencieux
qui à un certain moment donné, qui sont venus en Europe ici, qui se sont battus et qui sont allés investir en Côte d'Ivoire, qui ont des investissements, qui ont des maisons, qui ont beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais vous saluer. Par contre, il y a certains, ils n'ont rien réalisé en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien, ils n'ont plus de rêve pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de rêve pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils veulent, la guerre. Parce que ici en France, on leur a donné des maisons où couchent. Il y a entendu hier, Bia Koukounio dit, non, quand tu travailles, ton assurance, vos maisons là, tu sais comment vous payez. Vous travaillez en France, mais vos maisons là, ça coûte 80 euros. Maison où dormez là, ça coûte 80 euros. Normalement, une maison en France, vivre en France dans des quartiers là, c'est dans les 1000 et quelques euros. Mais vous avez 80 euros. Donc vous ne pouvez pas respecter quelqu'un. Moi, mon combat, c'est de me battre aujourd'hui pour que demain, en Côte d'Ivoire, les gens vivent dans des maisons moins chères comme vous. De la même manière que le système français a créé les conditions. Et puis vous, là, vous dormez dans des maisons de 80 euros. Là. Là-bas aussi, là, il faut qu'on abaisse aussi les prix. Non, il faut la stabilité. S'il n'y a pas la stabilité, on ne pourra pas créer les maisons pour aider les pauvres. La France a commencé à construire ses maisons parce que la France a créé les conditions d'une vraie stabilité. Et ce sont ces Français-là qui vous donnent cette chance. Qu'on on travaille. Vous faites quel travail même? Vous faites quel travail, puis on ne peut pas respirer. C'est combien même vos salaires là-bas, vous qui parlez là? C'est combien vos salaires? C'est combien vos salaires? Venez me dire. Moi ici là, je suis arrivé ici là, ma femme travaille. Moi-même je travaille. Et puis souvent, même quand je ne suis pas content, j'arrête et puis je m'en fais mes études. Je profite aussi pour apprendre à faire quelque chose. Ce que vous n'avez pas fait, c'est dans les banques que vous travaillez. C'est dans quelle entreprise? Vous avez créé des entreprises? Dites-moi que quand vous êtes allé en France, vous avez créé vos entreprises? On se connaît. Arrêtez de distraire les gens. On se connaît. On se connaît. En France, là, il y a beaucoup qui ont échoué. Et leur rêve, là, il faut qu'il y ait la guerre. Comme ils ont échoué là-bas, tout le monde n'a qu'à échouer encore. Moi, dans ça, je ne vais pas échouer comme vous. Désolé, je ne vais même pas échouer. Regardez-moi une grande soeur, Bia Koukounio, une grande soeur que je respecte. C'est toi qui fais vidéo depuis à cause de Sangaré. Tu as passé tout ton temps à m'insulter. Et hier, tu vas loin même en insultant même ma mère. Mais je vais faire écouter ça aux Ivoiriens pour une fois. Parce que c'est devenu le comportement de ces grandes soeurs à Paris. Je respecte votre droit d'aimer le président Laurent Gbagbo. Mais insultez les mamans alors que vous êtes des mères. Je respecte votre opinion pour John Soro. Je respecte votre choix pour John Soro. Mais évitez d'insulter les mères des gens. Quand tu fais une vidéo, il faut t'attendre qu'on va te répondre. Moi, on me répond ici, mais est-ce que j'insulte maman des gens? Moi, là, je suis celui seul qu'on insulte sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que j'ai une fois insulté maman des gens? Toi, une grande soeur, Bea Koukounion. Tu m'envoies un message, tu dis, tu vas aller au commissariat, il faut aller déposer ta plainte. Je te le jure, va déposer ta plainte. Je ne suis pas ton enfant et moi, je ne me nargue pas. Toi, tu vas passer tout ton temps. Ça fait combien de fois que tu m'insultes à cause d'Aboudrama Sangaré? À cause d'Aboudrama Sangaré, tu vas même. Mais aujourd'hui, tu n'es pas avec Aboudrama Sangaré. Aujourd'hui, là, tu n'es plus avec Aboudrama Sangaré. Tu n'es plus avec Gbagbo, tu es maintenant devenu pro-Soro. Et tu es dans les réunions des pro-Soro. Tu as quand même une grande soeur, il faut apprendre à te faire respecter. C'est pas avec moi tu vas faire vidéo, c'est pas sur moi tu vas faire vidéo. Tu es ma grande soeur, je te respecte trop. Je suis ton petit frère. Moi, je t'ai trouvé en Europe ici. C'est toi qui as fait vidéo pour dire Zassan ne travaille pas. Toi, tu travailles ici depuis que tu es ici. Quel bon travail tu fais? Tu fais quel bon travail? Toi, tu fais quel bon travail? Où tu vis, puis où je vis, là, il y a une grande différence. C'est comme, pour moi, là, toi et moi, là, même, il n'y a même pas match même. Il n'y a même pas match, Bia Koukounio. Il n'y a pas match. Jalouse, aigri. C'est ça qu'on appelle les bêtises, on appelle Bizougou. Chez nous, on appelle ça sorcellerie. On appelle ça sorcellerie. Toi, tu es venu à l'aventure. Moi, je ne suis pas venu à l'aventure, Bia Koukounio. Je ne suis pas venu à l'aventure. Occupe-toi de ta vie, s'il te plaît. Je te respecte trop. Occupe-toi de ta vie pour la dernière fois. Occupe-toi de ta vie. Et puis, je suis prêt pour tout ce que tu veux faire. Je suis prêt pour toi. Trop d'injures de ma mère, ça est trop dans tes réseaux sociaux. Ma mère, là, elle n'est pas ta camarade. Ma mère n'est pas ta camarade. Je n'ai jamais insulté ta maman ni ton papa. Je m'adresse à Soro. C'est toi qui t'appelles Soro? Tu t'appelles Soro? C'est Soro qui a fait. Quand moi j'étais. Nous on avait la crise là. Toi tu étais en France ici. Tu étais en France ici quand il y avait la crise ivoirienne. Toi tu étais en France. Et tu as les papiers des Français. Tu devais aller voir tes amis français pour créer les conditions de paix en Côte d'Ivoire.
Vous avez tous des papiers français, mais vos papiers là, ça ne crée pas les conditions d'une stabilité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous ne représentez rien en France. Vous n'êtes pas un poids, vous ne représentez rien parce que vous n'avez rien compris. Normalement, vous les Ivoiriens qui êtes en France, votre solidarité, votre unité, votre puissance économique pouvait créer les conditions de paix dans votre pays. Mais si le pays continue d'être dans des problèmes parce que vous travaillez toujours pour les Blancs. Vous êtes toujours dans les entreprises des Blancs et puis après vous partez insulter les Blancs. C'est vous qui faites des vidéos, des marches, vous insultez les Blancs. Après vous êtes dans les entreprises des Blancs. Mais Ouattara là, quand lui, il a été à l'école, il a été intelligent. Quand Ouattara est arrivé aux États-Unis, il s'est créé les conditions pour être un homme fort et puissant dans le système des Blancs. Vous, depuis combien d'années, vous avez fait quoi? Si ce n'est pas venu faire vidéo et puis insulter maman des gens. Vous allez l'écouter, hein? Je ne vais pas jouer à ça aujourd'hui. Je lui l'ai déchargé. Vous soutenez leader politique, mais venez avec des arguments. Moi, je vous attends avec des arguments. J'attends vos arguments. Je vous attends. Pourquoi vous voulez soutenir Soro? Venez me dire. Venez me dire pourquoi vous soutenez Soro. L'argument que vous me proposez ne suffit pas. Le fait que Soro soit l'enfant de Gbagbo ne m'intéresse pas. Le fait que Soro soit l'ami de Blaise Goudé n'est pas un argument pour moi. N'est pas un argument pour moi. Ça ne suffit pas, ça ne colle pas à la réalité actuelle. Le fait que Soro ait fait Ouattara, qui vous a dit que c'est Soro qui a fait Ouattara? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est Soro qui a fait Ouattara? Lui-même, il est assis hier sur France 24. Il dit, Ouattara a réglé mon problème de façon diplomatique. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. Vous qui criez là, votre Soro Diom que vous aimez là. Vous les pro-Gbagbo là, Soro Diom, il était au palais, à la résidence de Gbagbo. Les derniers moments, ils étaient assis dedans. Mais vous, à Boudrama Sangaré, la fille Nguesse là, ils savent ce qui s'est passé. Ils vont vous dire. Moi, je ne suis pas là pour dire, je ne joue pas votre jeu, je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Jason, tu peux me prêter ton chargeur, s'il te plaît? Chers amis, merci, s'il te plaît, merci beaucoup. Que nous, on travaille en France. Quand on travaille, vous faites en France, et puis depuis là, c'est vous qui criez matin, midi, soir. Toi, tu as fait vidéo, tu as parlé, quel travail toi tu fais en France? Tu fais quel travail? Et puis à ce stade-là, quand on est à ce stade-là, on se respecte. Apprenez à vous respecter. Oh, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Quand on a ce stade des choses-là, apprenez à vous respecter. Moi, je suis votre petit frère. Voilà. Toi, ton Zadi Djedjé là, c'est un escroc. C'est moi qui lui ai dit ça hier. Zadi Djedjé là, il partait escroquer des pro-Gbagbo. Il utilisait le nom d'Ahmed Bakayoko. Zadi Djedjé utilisait le nom d'Ahmed Bakayoko pour faire des bêtises. Si on dit l'argent là, Zadi Djedjé a eu sur Ahmed Bakayoko. Demandez-lui. Si on dit l'argent là, Zadi Djedjé a eu. Il a fait quoi? C'est quelqu'un qui aime l'argent. Et c'est de moi qu'il va parler. Quand on dit quelqu'un aime l'argent, là, c'est Zadi Djedjé. Moi, je ne fais que lui dire la vérité. Il soutient Soro pourquoi? Et puis, quand tu soutiens Soro, il faut respecter les gens, il faut savoir parler aux gens. Parce que nous, on n'est pas obligé de soutenir ton Soro. Vous respectez Soro, mais soyez polis. Parce que nous, là, chacun a sa manière de voir les choses. On respecte vos choix, respectez les choix des autres. Respectez la position des assos, parce que les assos se battent pour le respect des institutions. C'est ça qui a été mon combat. Pendant des années. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va me faire changer les choses. Et puis, depuis que je suis ici, là, je ne vous sollicite même pas pour manger.
Je ne sais même pas pourquoi vous fatiguez même. Est-ce que je vous ai une fois sollicité pour manger? Il y a des gens qui sont quittés en Côte d'Ivoire quand il y a eu la crise. À Paris, là, ils vont dans vos maisons pour manger. Ils vous demandent 100 euros, 10 euros. Moi, là, où je suis assis, là, je suis serein. Je n'ai même pas de problème avec quelqu'un. Non, ne comptez même pas sur moi. Ceux qui sont à Paris, là, vous pouvez les insulter, faire vidéo, insulter-les. Mais moi, Zasso, là, ne venez même pas sur moi-même. Restez là-bas. Restez là-bas. Si vous avez échoué en France, gérez bien votre retraite. Restez là-bas et puis gérez vos retraites. Votre vie, là, c'est votre choix. Assumez ça et puis restez là-bas. Laissez-moi tranquille. Je suis dans mon combat politique et je suis engagé. On ne peut pas me ramener en arrière pour mon pays. Vous, vous avez choisi d'être des Français. Moi, j'ai la nationalité ivoirienne. Malgré que je suis ici-là, j'ai la nationalité ivoirienne. Donc, je suis ivoirien. Et le combat que je mène, c'est pour mon pays. C'est pour la stabilité, la paix dans mon pays. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Vous, vous êtes des Français. Vous avez choisi d'être Français. Depuis qu'on a Gbagbo a perdu le pouvoir, je ne vous ai pas encore vu dans des charters, dans des aéroports, ramasser vos bagages pour quitter la France. Au contraire, Sarkozy, vous avez insulté là. Macron est venu, le petit Macron là, il se bat pour s'occuper de vous. Il se bat pour vous verser des allocations. Macron se bat pour que vos entreprises, vos salaires soient payés. Soit même si on ne travaille pas, il y a des gens à Paris là, ils ne travaillent pas. Mais la France les soigne gratuitement. Il y a des gens qui ne travaillent pas en France. Il y a de nombreux pro-Gbagbo qui ne travaillent pas là-bas. Arrêtez de distraire les gens là. Moi, je connais la France, je les connais, je sais de quoi je parle. Vous, vous étiez fort. Si vous avez travaillé, vous étiez fort. Mais pourquoi vous n'aidez pas Gbagbo? Vous, là, vous êtes en France. Pourquoi vous n'aidez pas Gbagbo? Vous avez des papiers français. Pourquoi depuis, vous n'aidez pas Gbagbo? Parce que vous êtes faible. Vous ne connaissez pas vos valeurs. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Allez-y voir les Chinois. Regardez les Russes ici en Suisse. Les Chinois, les Japonais et autres. Économiquement, ils sont puissants parce qu'ils gèrent leurs propres entreprises. Ils ne travaillent pas pour les gens. Non, moi, vos grandes gueules, là, moi, je ne vais pas gérer ça. Et vous n'allez pas me distraire avec ça. Vous n'allez pas me distraire parce que j'ai un rêve. De la manière que Ouattara rêve pour la Côte d'Ivoire, moi aussi, je rêve pour la Côte d'Ivoire. Depuis que Ouattara au pouvoir, il n'y a pas coup d'État. Il neutralise tout. Tous ceux qui créent des coups d'État, il les prend, il les met en prison. Je suis d'accord avec ça. Ne comptez pas sur moi. Voilà. Moi, j'ai une vision. Des gens sont en France pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne font rien. C'est eux qui ont fait vidéo pour parler de moi. C'est eux qui ont fait vidéo, puis tu vas venir insulter moi, ma maman. Zasse ta mère con, Zasse ta maman con. Comme ça, une femme qui insulte moi, ma mère con. Oh, mais je ne sais pas la vidéo là. Attends, je vais. Parce que les Ivoiriens, il faut que vous écoutez certains comportements. Ah oui, l'erreur que j'ai fait, c'est que... Oh là là. Ah oui, j'ai fait une erreur. Excusez-moi beaucoup. Une femme, tu fais hier vidéo, depuis le temps de Sankara, et Aboudrahman Sangaré a créé sa fronde. Quand Aboudrahman a créé sa fronde, j'ai dit que cette fronde-là n'ira pas quelque part. Vous m'avez insulté. Venez me faire maintenant le bilan de cette fronde. Vous avez fait des pétitions de 20 millions, 23, 25 millions d'Ivoiriens. Vous êtes allé faire pétition. Vous m'avez insulté. J'ai dit ça là, ça ne va pas aller quelque part. Comme quand on vous parle, vous n'écoutez personne. J'ai dit ça là, ça ne va pas aller quelque part. Pétition là, ça allait où? À cause de pétition, vous m'avez insulté. Vous avez attaqué ma famille. Vous avez tout fait. Vous êtes allé créer CNC. Je vous ai dit ça là, ça ne va pas aller quelque part. Vous m'avez insulté. Vous avez tout fait. Moi, je suis celui le plus victime de toutes sortes d'injures. Comme si j'étais le seul sur la scène politique ivoirienne. Parce que je suis bété. Je dois soutenir tout ce que les bétés veulent. Je suis désolé. Moi, je ne vis pas de vous, les bétés. Ce n'est pas vous qui me donnez à manger. Ah oui. Ce n'est pas vous qui me donnez à manger en Europe où je suis là. Et depuis que je suis ici, la personne d'entre vous n'a cotisé pour dire à ce tient quelque chose. Personne d'entre vous. Quand je suis arrivé à Paris, là, à Bernaki, il voulait créer un truc pour. Je lui ai dit ouvertement. J'ai dit, votre cotisation, là, il ne prend pas. Parce que vous là, quand vous faites petit truc pour quelqu'un là, ça va devenir public. Herman Abois qui est aux États-Unis. Dès que je suis arrivé en France, ça c'est, nous on a cotisé pour Amer Abois, on a cotisé pour Herman Abois, on a fait ceci, on a fait cela. Herman Abois, il ne vous a pas forcé. Herman Abois là, il ne vous a pas forcé de cotiser pour lui. Vous avez passé tout votre temps à saluer le monsieur. Mais moi là, quand je suis arrivé, ils ont fini, j'ai dit ça là, il ne prend pas. Admel Nakier là, il ne prend pas vos cotisations.
Moi, quand je venais ici, là, j'ai dépensé plus que ça. J'ai fait quoi avec moi aux miettes de Paris, là? Vos 10 euros et 10 euros, vous cotisez, puis vous ne respectez personne. Vous êtes assis dans vos maisons. Mais quand on a ce genre d'âge-là, quand on a pris de l'âge, on n'insulte pas. Bien beaucoup, non. On n'insulte pas maman des gens. Parce que je respecte ta mère. Donc arrête d'insulter ma mère, bien coucou. Tu veux justifier ton Jom Soro, il faut justifier, c'est ton problème. Tu es libre de participer aux réunions du. Mais c'est une trahison, toi, Dieu. Bien coucou. Se lever pour suivre aujourd'hui Soro, ton petit frère là. C'est une trahison. C'est une trahison. Bien coucou. Toi, tu ne pas toi, tu as soutenu Soro. Toi, tu étais à Paris ici dans les rues. Tu insultais Soro de rebelles, de Soro de chefs de guerre. Aujourd'hui, tu soutiens Soro et c'est toi qui sais qui est traître, qui est vendu. Moi, là, je suis trop serein. Depuis que Baba à la CPI, tu fais quoi? Toi et toutes tes soeurs qui êtes à Paris, vous qui criez là, vous faites quoi? Vous êtes allés danser à la CPI pendant des années. Venez me faire le bilan. Venez me faire le bilan. Moi, j'attends. Venez me faire le bilan. Moi, là, je vais demander à Soro, Soro Diom, là. Chaque jour, il va me faire le point de... Du Nord qui l'a géré pendant 60% de la Côte d'Ivoire qui l'a géré. Avec Gbagbo. Ils vont me faire le point. C'est l'argent du peuple, c'est l'argent des Ivoiriens, c'est l'argent du contribuable. Ils se sont assis, ils ont fait réconciliation. Ils sont allés faire flamme de la paix à Bouaké. Ils ont pris quelques armes. D'après eux, ils sont allés brûler le fusil. Soro a gardé une partie, Gbagbo a gardé sa part. Et puis ils ont pris les vieilles armes, ils sont allés brûler ça quelque part là-bas. Maintenant qu'elles ont fini là, ils disent qu'on fait la réconciliation. On a compris. Quand vous finissez vos réconciliations et qu'après on va à une élection où les assos vous interpellent, il faut désarmer, créer les conditions d'un vrai désarmement. Mais il faut le faire. Vous avez refusé. Pour vos propres ambitions, pour vos propres intérêts, vous avez signé des business avec Jom Soro. Avec Jom Soro, vous avez fait un business. 2010, ça, c'était un business, vous et Jom Soro. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Moi, je vais vous dire ça. Ce n'est pas une affaire de bêtés. Les bêtés ont été tués dans la guerre. Demandez à Soro Kanisi, quand je suis allé à Kerogo, je suis allé le saluer. C'est lui qui me disait, il y a des bêtés qui ont été tués à Kerogo. Beaucoup de bêtés ont été tués. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Laurent Gbagbo, là, avant que je ne revienne même, parce qu'aujourd'hui, il a fait une heure du temps. Laurent Gbagbo, là, il était exilé en France. Il était réfugié en France. Laurent Gbagbo était réfugié en France. Où vous vivez aujourd'hui, et puis vous n'avez pas de respect, là. Laurent Gbagbo était réfugié là. Écoutez bien, hein? Je vais vous faire écouter une vidéo d'une grande soeur qui a fait la vidéo d'hier. Je l'ai dit, je respecte les femmes. Moi, je respecte la femme. Mais il y a des débats. Quand vous ne les maîtrisez pas, arrêtez de venir exposer vos lacunes, vous les femmes. La crise ivoirienne, là, il y a eu des femmes qui ont été tuées, des femmes qui ont été violées. Donc nous, notre combat qu'on mène là, on ne le met pas par émotion. On ne mène pas un combat par émotion. Parce que les femmes ont payé, les femmes ont beaucoup souffert dans cette crise. Donc j'aurais voulu voir des femmes intelligentes, responsables, qui défendent le droit de leurs camarades femmes, ouvrir le débat pour que justice soit rendue pour les femmes qui ont été tuées dans cette crise. On n'est pas là pour aimer quelqu'un. On n'est pas là pour aimer Gbagbo, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est pour ça tout à l'heure, je vous appelle.
à venir me dire ce que Babou a fait pour votre région, vous les bêtises à Gagnon, là, ce qu'il a fait, venez me dire. Venez me dire ce que Babou a fait pour la région de Gagnon en 10 ans, venez me dire. Vous étiez là en train de murmurer à Gagnon. Gagnon est sale, il n'y a rien à Gagnon, notre frère ne fait rien. C'est vous qui murmurez hier. Vous avez murmuré hier pendant des années, vous ne pouvez même pas parler. J'étais le seul Zasso qui dit à Babou, le développement là, ce n'est pas Yamoussoukro, ça va s'arrêter. Il faut faire une politique nationale qui va aider toutes les régions. Ça, c'était mon combat. Alors, vous ne voulez pas qu'on parle? Écoutez bien ça. Écoutez bien. Hein. Tu vas comprendre. Tu prends les gentils comme tous les personnes que tu cites là. Écoutez là. Hein. Je suis de mon... Toi, tu fais vidéo hier, tu insultes. C'est toi qui veux insulter maman des gens. Ça sort une noire nienne, fils de pute. Moi, je t'insulte comme ça. Continue. Ok. Ivoirien, vous avez vu? Moi, je vous ai toujours dit que quand vous n'êtes pas préparé à faire un combat, ne vous engagez pas dedans. Quand tu fais une vidéo, depuis combien de temps tu fais vidéo pour insulter Zasso? Parce que tu es bêté. Parce que tu aimes Babo. Mais quand on aime Babo, là, on ne soutient pas Soro. Quand on aime Babo, là, on ne soutient pas Soro. Moi, je dis, je suis gêné que vous, le COGEP, vous, les militants FPI, vous embrassez aujourd'hui Soro. Alors que Soro, c'est lui qui a reconnu aux yeux du monde entier que Babou a perdu les élections. Ce n'est pas Ouattara. C'est Soro qui a convaincu le monde entier qu'en réalité, Babou voulait confisquer le pouvoir et que Babou est un dictateur, Babou est un criminel. Ah oui, c'est Soro qui l'a dit. Aujourd'hui, vous soutenez Soro, mais je vous respecte, je respecte vos choix. Mais celui qui va m'insulter, qui va m'attaquer sur les réseaux sociaux, il aura sa réponse. Je ne vais pas pour insulter, hein, mais moi, je vais te parler. Maintenant, là, tu peux aller où tu veux. Va dans tes commissariats, va chercher qui tu veux. Voilà. Va où tu veux. Bien, Koukounio, moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Tu crois que tu vas me distraire, toi? Tu crois que je ne connais pas le droit, je ne connais pas la loi? Toi, la loi française, là, ça te permet de venir insulter maman des gens? La loi française te permet de venir te mêler des problèmes que toi, tu ne maîtrises pas? De venir faire des vidéos pour rentrer dans la vie des gens? Ça te permet, toi? Ça te permet de venir insulter des chefs d'État ici? Tu vas passer ton temps, tu vas insulter Ouattara. Tu vas insulter tout le monde, même son épouse, même tu l'insultes en tant que femme. Il faut t'occuper de ta vie que tu vis en France là-bas. Quand on a échoué là, on la ferme. Vous, si vous étiez de grandes femmes, des femmes responsables, Babou serait sorti de là, ce pays. Si vous étiez des femmes responsables, efficaces en France, Babou serait sorti de là, ce pays. C'est parce que vous n'êtes pas efficace. Il n'y a rien en vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas efficace. Zadi Djedje, avec ton profil carton jaune en l'air. Ah, Dieu merci, tu es venu. Mais hier, tu m'as bloqué, Zadi Djedje. Tu te caches sur un profil où tu mets maintenant la photo de Blaise Goudé Charles et tu commences maintenant à insulter. Zadi Djedje, j'avoue que je vais poser la question. Hier, tu me bloques. Mais tu me bloques pourquoi, Zadi Djedje? Tu me bloques pourquoi? C'est lui qui porte le profil en carton jaune en l'air, c'est Zadi Djedje. Il a créé ça pour sa maîtresse. Il a voulu demander tellement pardon qu'il n'a pas réussi. Un irresponsable comme ça, ta maman souffre au village là-bas, il n'y a même pas maison. Elle n'a pas maison. Elle dort dans Banco. Et puis toi, Zadi Djedje, tu t'en vas te narguer à combien de millions pour construire une maison de femme. Aujourd'hui, tu vas venir insulter Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko t'a donné l'argent. Tout l'argent que tu prenais là, c'était dans les femmes que tu mettais. Aujourd'hui, tu es gris à cause de l'argent. Mais Zadi Djedje, tout est dans mes mains. Tout est dans mes mains. Il faut te calmer, je t'ai déjà dit. Tu m'as bloqué. Il ne faut plus jamais faire vidéo sur moi. Sinon, ce que je vais t'envoyer là, ça te supprime. Et puis, les Ivoiriens ne vont plus te respecter. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est la dernière fois. Et je n'accepterai plus que tu insultes Ouattara et tu insultes Ahmed Bakayoko. Tu t'attaques maintenant à Ahmed Bakayoko, puis Ouattara, moi, je vais t'exposer. Je te le jure. Parce que tu es très impoli. Ingrat. Zadi Djedje, tu es un ingrat. Toi, tu me mentais ici pour dire que tu as construit une maison pour ta maman à Gagnon. Je te donnais des conseils ici alors que la vieille dormait dans des conditions difficiles. Elle est morte dans des conditions difficiles. Il dit, j'ai payé 406 et j'ai donné à la vieille. Alors que tu avais peur même de présenter toi-même tes propres parents à Ahmed Bakayoko.
On te donne l'argent, tu t'assures les femmes. On te donne l'argent, tu paies les voitures. Aujourd'hui, tu n'as rien. C'est vrai, ça, tu as venu faire vidéo pour me dénigrer. Mais va chercher la femme que tu as donné l'argent pour construire une maison. Tu voulais aller aux États-Unis? Tu voulais aller aux États-Unis, non? Tu as eu visa pour aller aux États-Unis? Asile politique, on ne donne pas ça comme ça, Zadi. Asile, on ne donne pas ça comme ça. Toi, tu crois que tu vas te cacher à Abidjan, puis tu as dit que tu es exilé. Tu te caches à Abidjan, tu dis que tu es exilé. Tu as fini d'aller jouer ballon à un soro avec, on dit, c'est moi, un gros gars, vous, vos ventes qui sont aussi gros, gros là. Vous prenez ça pour aller jouer quel ballon même. Tu es Abidjan, tu es exilé. Ma mère, Bakayoko a trop fait pour toi. Tu es un ingrat, Zadi Dédé. Zadi Dédé, tu es un ingrat. Ahmed Bakayoko t'a donné, t'a tout donné. Ce qu'on peut donner à un homme là. Ahmed Bakayoko t'a tout donné. Vous criez ici, on a la haine contre la France. On a ceci contre la France. Alors que la France là, vous vivez tous en France. Tous vos enfants, tout le monde, la France vous soigne. La France s'occupe de vous. La France fait tout pour vous. Et puis vous, vous rêvez qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Maintenant, ma question est bêtée. Ça, c'est entré en matière. Alors vous là, venez me faire maintenant le bilan. Vous pouvez m'appeler, hein? Et puis faites-moi le bilan de ce que Gbagbo Soro en fait en 10 ans. Là. Venez me dire, je vous attends. Ce que Gbagbo et puis Soro en fait en 10 ans, là. Venez me dire. Soro a eu le Nord. On lui a donné Korogo. Gbagbo dit comme c'est son fils, d'après Zadi Djedje, au nom de son fils, là, il lui a donné 60%. Parce qu'il était le fils de Gbagbo, on lui a donné 60% du territoire. Zadi Djedje, c'est au nom du fils qu'on a laissé Soro prendre Boaké en otage pendant 8 ans. On lui a tout donné. Au nom là, il n'y a pas eu école. Il n'y a pas eu dispensaire. Il n'y a pas eu développement. L'eau là, il n'y a pas eau potable, il n'y en a pas. Il n'y a rien eu. Ils ont pillé le sol du Nord. Ils sont allés construire des maisons au Burkina Faso. Ils ont développé le Burkina Faso. Les capitaux, l'argent, toutes les ressources là, tout ça, ça partait au Burkina Faso. Et nos parents du Nord vivaient dans des conditions difficiles. Dans la misère, dans la pauvreté. On les a étouffés dans une misère totale. Et vous les bêtés, vous avez fait quoi? Vous l'avez pris, vous êtes allé danser à Gagnon. Quand vous êtes allé danser là, moi, ça soit, j'étais là-bas. Je vous ai dit que je ne vais pas danser un soro à Gagnon. Mais vous êtes allé danser à Gagnon, vous êtes allé à Maman, vous êtes promené, bobobre partout. Aujourd'hui, votre frère est en prison et c'est vous qui venez insulter les gens. Venez me dire ce qu'il a fait pour vous les bêtés, venez me dire. Je vous attends, vous les bêtés qui parlez là. Venez me dire ce que Gbagbo a fait pour vous en 10 ans. Regardez aujourd'hui à Séguéla. Zadi Djedje, tu mets carton jaune là. Toi, tu es allé chez Ahmed Bakayoko. Tu es allé chez Ahmed Bakayoko à Séguéla, tu as vu le développement. Tu es allé dans le Nord, tu as vu comment les gens sont en train de développer. Tu es même à Abidjan. Tu vois les ponts, les routes, tu es en train de construire. Surtout à Gagnon, les gens font quoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent, Zadi Djedje, toi tu parles l'argent. L'argent est alimentaire. Mais toi, tu es. Quand on dit alimentaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais moi, je vais te répondre aujourd'hui. Parce que toi, quand tu as été à Gbagbo, tu as laissé Gbagbo. Tu étais à Blé Goudé. Aujourd'hui, Blé Goudé, tu allais soutenir Ahmed. Ahmed Bakayoko, tu es maintenant à Soro. Pour toi, là, moi, je ne sais pas comment on appelle, mais j'appelle ça de l'ignorance. J'appelle ça de l'ignorance. J'appelle ça de l'ignorance, Zadi Djedje. Et ça se cacher sur profil. Carton jaune à l'air à cause de femme. Tu t'as créé profil pour exposer ta couleur. Elle ne veut plus de toi. Elle ne veut pas de toi. C'est fini. Pendant que ta femme et tes enfants sont en train de souffrir, un inconscient comme ça. Un inconscient. Et puis tu passes ton temps à insulter la femme matin, midi, soir. Tu l'insultes pour rien. C'est toi comme ça. Je comprends pourquoi tu soutiens Soro. Parce que vous ne réfléchissez pas beaucoup. Alors venez me dire, moi je vous attends ici. Dans le Nord là, en 10 ans là, ce que vous avez fait là. Et puis ce que vous avez fait à Gagnon, en Côte d'Ivoire, les 10 ans de pouvoir là. Votre duo de 10 ans là, venez me dire ce que vous avez fait. Et puis vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas eu de bilan. Soro a eu 37 milliards bidons de souveraineté depuis 2007. Ce n'est même pas passé devant les députés. Mamadou Koulibaly a dit, président Laurent Gbagbo, envoyez le budget de Soro devant l'Assemblée nationale. Gbagbo dit, non, c'est mon fils. Non, Zadi, je te comprends. Mais on ne va plus continuer de fils en fils. On a déjà fait ce qu'on pouvait faire pour eux. Et je vais te dire, toi et tes amis, tes biakoukounions, vous tous qui rêvez là, Soro ne va pas prendre le pouvoir en 2020. Il ne va pas prendre le pouvoir en 2020. Il ne peut pas. Et puis Ouattara, là où il a mis le pouvoir, là, il ne va pas donner à Soro.
Ouattara est trop conscient. Partout où il passe, on dit ton président de l'Assemblée nationale, il est impliqué dans des sales trucs. Vous pensez que Ouattara n'a pas honte? Il a une dignité, il a bossé, il a étudié. La mère Bakayoko, vous pensez qu'ils n'ont pas honte? Ils ont sali leur image. Votre président de l'Assemblée nationale qui dit on a tué Désiré Tagro. Nous, on s'est débarrassé de Désiré Tagro. Mais tu penses que les gens n'ont pas honte? Un président de l'Assemblée nationale qui parle trop, qui s'implique dans tous les petits problèmes des pays extérieurs. Vous pensez que c'est lui-là qui va diriger la Côte d'Ivoire? Il ne pourra pas. Vos rêves-là, ça ne va même pas se réaliser, Zadi Guédié. Tu n'auras rien. Il faut rester là. Tu n'auras rien. Bah, tu es un inconscient. Et puis, tu es un niveau CM2. Et puis, quand on est un niveau CM2, là, moi, j'ai fait série scientifique. J'ai passé bac D. Non, ce n'est pas moi. Hein, moi, tu vas parler. Tu es un niveau CM2. Moi, je t'appelais ici pour te donner conseil. Tu ne m'as pas écouté. Voilà, toi, aujourd'hui, tu te caches dans des toits et tu dis que tu es exilé. Tu dis que tu es exilé. Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Moi, je vous demande la question que je vous dis là. Moi, je vous pose ma question de façon sincère. Moi, Zadi Djedje, toi, t'es tous tes parents bêtés. Je vous dis aujourd'hui, vous qui aimez Babo, parce que ce n'est pas tous les bêtés qui sont dans ça. Il y a d'autres bêtés même, ils sont fâchés parce que 10 ans, on n'a rien fait dans leur région. Ceux-là, je les salue. Eux, au moins, ils savent réfléchir. Aujourd'hui, là, eux me disent, ce qu'on peut faire là, c'est d'aider Babo et puis le faire sortir de la prison. C'est tout. Donc, c'est ce combat que nous menons. Nous, on essaie de convaincre Ouattara, le système politique, demain pour dire, ah, ayez pitié de notre homme. Et puis la libération de Babo, Zadi Djedje. La libération de Babo, là. Soro ne peut pas le faire. Soro ne peut pas libérer Babo, Zadi Djedje. Je vais te dire la vérité. Soro, là, il ne peut pas. Parce que lui-même, là, ses dossiers sont dans la main de Ouattara. La CPI, toutes les organisations attendent aussi Soro à la CPI. Mais Ouattara a bloqué ça dans son bureau. Ouattara a tout bloqué. Ouattara ne peut pas avoir tout ça. Et puis, il va dire, c'est en 2020, tu es président, je vais te donner le pouvoir. Non, ils vont dire, mais Ouattara, tu n'es pas sérieux. Ils vont dire à Ahmed Bakayoko, les gars, Koulibaly, ont dit, mais vous n'êtes pas sérieux. C'est ce monsieur-là qui va diriger ce pays. Non. Zadi Djedje, Soro en 2010, il était chez Babo. Va lui demander, il était chez Babo. Il sait ce qui s'est passé là-bas, avant qu'il ne se retrouve au Golfe. C'est quand la communauté internationale, la CEDEAO, tout le monde a pris position, que Soro a commencé à comprendre. Il dit, en fait, il dit, il n'y a pas de préalable en toute chose. Mais lui, sa rébellion, elle a posé des préalables. Il était sur la guerre, il dit pour la réconciliation, il n'y a pas de préalable. Mais lui, là, sa rébellion, il a posé des préalables. Quand il a créé sa rébellion, il a posé des préalables. Il dit, si Babo ne fait pas ça, si Babo ne fait pas ça, si Babo ne fait pas ça, je ne fais pas ça. Mais il a fait. Il va au Canada, comme Zassou a répondu, il vient s'asseoir pour changer ses propos. À cause de moi, il allait sur France 24. Mais il faut dire lui que moi, bientôt aussi, je vais aller sur France 24 aussi. Je vais lui répondre encore. Ce n'est pas encore terminé. Parce que lui, Soro, là, il a posé des préalables dans ce pays. Soro, 2017-2007, quand il devait être premier ministre, il a défié Ouattara, il a défié Bédié. Ouattara Bédié n'était pas pour le choix de Soro comme premier ministre. Ce sont les Nadi Bamba et Sangaré qui sont allés dire à Soro, c'est toi premier ministre ou rien. C'est comme ça que Soro est devenu premier ministre. Voilà. Vous parlez là, aujourd'hui là. Je vais dire ça aux Ivoiriens, ça va rentrer dans leurs oreilles. Non, vos petits jeux alliances, quand vous jouez contre Ouattara, là, ça ne va même pas prendre. Parce que moi, je serai sur votre chemin. Alliance pour déstabiliser Ouattara. Alliance pour amener la guerre. Alliance pour tuer les Ivoiriens. Je ne vais pas accepter ça. Et j'assume cela. Toi, Zadi Djedje, tu as créé parti politique. Toi, tu as créé parti politique pour venir soutenir Soro Djom. Quand on crée parti politique, là, on se bat pour libérer ses amis. Toi, tu dis non. Et puis moi, je me battais pour libérer. Mais toi, tu narguais Ahmed Bakayoko. Tu crois qu'Ahmed Bakayoko est bête? Toi, tu le narguais. Et tu t'en vas prendre l'argent dans les mains des gendarmes, des policiers. Tu vas les faire rentrer dans les écoles de police, à la gendarmerie, partout. Et les gens t'ont donné beaucoup d'argent. Cet argent, tu as fait quoi, hein, ça, Zadi Djedje? Aujourd'hui, là, des plaintes t'attendent. Tu soutiens Soro, tu es un comédien, mais des plaintes. Moi, j'ai reçu des plaintes qu'on envoyait contre toi. Les plaintes, là, c'est rempli contre toi parce que tu as escroqué du monde. Même des femmes, tu les as escroquées. C'est toi qui... Moi, je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Et il n'y aura pas de plainte d'escroquerie contre tes assos. Mais toi, il y a beaucoup de plaintes contre toi. Tu te casses. Dans ton coin où tu te casses, un jour, ils vont t'attraper. Escroc comme ça.
Vous êtes là, là, dans des conflits de xénophobie. Vous êtes dans la haine, la xénophobie. Zasso, tu soutiens les étrangers. Zasso, Ouattara, c'est un étranger. Zasso, c'est comme ça. Vous êtes des comédiens. Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, là, tous ces petits, vous appelez petits Djoula et autres, là, on a grandi ensemble. Quand on était enfant, là, on était amis, ils ne connaissaient même pas Ouattara. Moi, mais ils ne connaissaient pas Ouattara, ils ne connaissaient pas Babo, ils ne connaissaient pas Bédié. C'est nous, là, c'est vous, on connaissait. Ce n'est pas aujourd'hui que moi, je vais me mettre dans une logique à cause de Babo, Bédié. Non, 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 moi, je ne rentre pas dans ça. Bédié, là, à la dernière minute, vous allez attendre qu'il a rejoint Ouattara. Moi, je vous ai dit, oh, c'est sa collègue, il gère. Mais ses enfants, là, sont dans le système politique de Ouattara. Ces enfants-là occupent des fonctions importantes sous Ouattara. Ils sont à la primature, ils sont partout. Ces enfants sont des milliardaires. Quand le moment viendra, la Bédié va se calmer. Tout ce qu'il fait là, c'est pour ses intérêts. Bédié, là, il ne va pas vous soutenir. Vous vous fatiguez. La preuve en est qu'il ne s'attend même pas à Bion. Il dit, lui, viens être président. Bion dit, viens être président. Bédié ne veut pas. Bédié dit, il faut que ça soit lui. Si Bédié est président, Ouattara sera candidat. C'est moi qui ai dit à Ouattara, sois candidat. Voilà. Aujourd'hui, vous pensez que vous allez nous distraire? Parce que Soro est dans votre logique de traiter les autres d'étrangers. Ouais, Soro est ivoirien. Soro, c'est l'enfant de Gbagbo. Soro, c'est un bon fils de la Côte d'Ivoire. Les autres sont étrangers. Donc, moi, de venir vous soutenir dans votre combat d'étrangers. Ne comptez même pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Je suis désolé. Quand vous avez commencé tout ce que vous faites à Paris, vos réunions, moi, je vous ai demandé, c'est pourquoi? Vous dites, c'est pour chasser les étrangers. Comme moi, je suis à l'étranger aussi. Comme moi, je vis à l'étranger, comme on m'a accepté à l'étranger avec ma famille, je me battrai pour protéger les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Mettez ça dans vos oreilles. Je suis à l'étranger. Quand il y a eu la guerre, j'ai pris ma famille que j'ai fui. Le Ghana m'a reçu. Le Ghana m'a reçu. Le Ghana m'a protégé. Je suis me déplacé, je me suis déplacé, je me suis retrouvé en Suisse. La Suisse m'a accepté avec ma famille. La Suisse m'a protégé. Je n'accepterai jamais que dans ce pays, on combatte les étrangers en Côte d'Ivoire. Et bientôt, je dirai ça au Macron, partout, je vais passer aux Français. Battez-vous pour stabiliser ce pays en 2020. Parce que la guerre qui vient, c'est un match retour que les gens préparent. Ils font des alliances avec Soro Bédié, le PDCI, parce qu'ils préparent un match retour. C'est-à-dire qu'il y a une autre guerre qui se prépare. Moi, je ne vais pas accepter cette guerre de mon existence. Depuis que de là où je vis, là, je n'accepterai pas une guerre en 2020. En 2020, il n'y aura pas de rue qui sera occupée. Vos coups, vous préparez. Non, on va faire une coalition. Demain, quand on aura élection, quand l'élection va venir, nous, on va descendre dans la rue. Et puis, Ouattara va tirer sur nous. Les soldats de Ouattara vont tirer sur nous. On va faire rentrer des gens. Et puis, ils vont tirer sur eux. Comme ça, Ouattara ira à la CPI. Vous vous trompez. Ça, c'est ça qu'on appelle des rêveries. On appelle ça des cauchemars. Ça ne va même pas arriver. Parce qu'on ne va même pas vous donner la chance de descendre dans les rues. Ah oui, avant 2020, c'est moi-même qui m'assois en Côte d'Ivoire. Moi-même, là, je m'assois en Côte d'Ivoire. Vous pensez que notre naïveté, puis on allait tuer mes parents Bété, Atié, Agni, Koyaka, Senufo, Abron, qu'on a tué là. Vous pensez que nous, on va accepter ça encore? On ne va pas accepter ça. Je suis à la tête de ce combat. Vos combats de haine, de xénophobie, de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas réussir ça. Je vous dis ça. Et là, Soro, c'est ancien Fessis, il a regroupé. Ils sont allés chez Soro, ils ont fait cérémonie. 156 personnes, on leur a donné 2 millions. Dès qu'ils sont sortis, ils sont découragés. Et ils croyaient que Soro allait leur donner l'argent. 156 personnes, une délégation de 156 personnes, on leur a donné 2 millions. Ils sont découragés aujourd'hui, ils m'appellent ici, Zasso. Ah, mais vous pensez que Soro va vous donner l'argent? Comme Zadi Djedje, vous pensez que Soro va vous donner l'argent? Soro, là, c'est un avare. C'est un avare. Ceux qui insistent sur les réseaux sociaux ici, là, eux-mêmes, ils connaissent. On leur donne quoi? On leur donne quoi? C'est des miettes? On leur donne quoi? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui insultent Ouattara matin, midi, soir, 7 heures, 2 000 euros, 3 000 euros. Et puis entre eux, ils vont se partager ça. Ça sent de l'argent. À cause de 3 000 euros, tu vas venir insulter Zasso. Tu vas insulter maman de Zasso. Parce que tu vas à une réunion, quand tu finis, on te donne 200 euros. Donc toi, tu vas venir insulter moi, ma mère que j'aime. Ça, c'est votre amour pour Gbagbo. C'est ça l'amour que vous avez pour Gbagbo. Depuis des années, pour Gbagbo, vous nous insultez, vous nous traitez de tout, pour Gbagbo. Mais allez-y l'aider, il a la Cour pénale internationale. C'est ce que j'attends de vous, allez-y, et puis faites quelque chose. Et puis pour sa libération, Zadi Djedje, je vais te dire, parce que tu l'as dit ici, tu dis dans tes arguments, c'est Soro, tu as libéré Gbagbo. Zadi Djedje, tu mens. Parce que toi-même, tu m'as dit que
C'est-à-dire Soro et Blé étaient en complicité pour déstabiliser Ouattara. Donc Ouattara, là, comme toi tu as parlé, c'est-à-dire, moi j'ai ça. Oh. Tu as dit, tu m'as déjà dit que c'est pour déstabiliser Ouattara. Donc tout ce que tu vas dire là, je ne vais pas te soutenir dans ça. C'est-à-dire, je ne vais pas te soutenir dans ça. Si vous faites un duo pour déstabiliser Ouattara, si vous faites un duo, parce que ce n'est pas Ouattara, mais vous allez déstabiliser. C'est la Côte d'Ivoire que vous allez déstabiliser. Faut rentrer dedans là. Ok, c'est bien rentré. C'est bien rentré, c'est ça qui rentre pas dedans. Voilà, ça va. Voilà. Donc, chers amis, votre combat, votre alliance, tout ce que vous faites pour déstabiliser Ouattara, ça va pas passer. Si c'est sur les réseaux sociaux là, je suis assis. Je suis assis parce que quand on finit là, le monde entier nous suit. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, partagez la vidéo au maximum. Dites aux Ivoiriens pourquoi Zasso n'est pas d'accord avec eux et pourquoi ils insultent Zasso. Eux tous, ils m'insultent parce qu'ils veulent faire la guerre. Ils veulent un match et retour. Et comme moi, je ne suis pas d'accord, ils veulent se venger contre les étrangers. Ils veulent débarrasser la Côte d'Ivoire des étrangers. C'est pour ça qu'ils sont contre Zasso. C'est pour ça qu'on m'insulte. On insulte ma maman, on insulte ma famille matin, midi, soir. Ils disent maintenant qu'ils vont aller au commissariat. Dites-leur que je suis prêt à payer leur transport. Si je vais leur donner mes taxis comptés, ils n'ont qu'à partir. Je suis prêt pour des gens. Ah, moi, c'est plaisantin, là. Vous allez faire des vidéos, vous allez insulter des gens, on va gérer vos colères. Vous étiez en France ici quand chasseur Babo du pouvoir. Vous étiez en France. C'est de la France qu'on a pris des résolutions pour chasseur Babo du pouvoir. Vous, vous avez fait quoi? C'est de la France que vous, on a chassé Babo du pouvoir. Vous qui êtes en France pendant 30 ans, 40 ans, vous ne pouvez même pas sauver Babo, même le FPI. Vous partez de Babo, vous-même de la France, vous avez détruit le parti de Babo. Tout ce que vous partez à la CPI, là, c'est pas bon, vous êtes d'accord. Mais le tribalisme, là, c'est replié dans sa... ça ne développe pas les nations. La France, là, c'est tout le monde qui a construit la France. Les Chinois, les Japonais, les Russes, c'est eux qui sont venus investir. La Tour Eiffel, là, c'est pas les Français qui ont construit. Ce sont des étrangers qui ont construit la Tour Eiffel. Ou vous, vous partez prendre photo, et puis vous êtes arrêté, vous faites malin. Ce sont les étrangers. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on se sont battus pour le développement de ce pays. Les étrangers en Côte d'Ivoire, c'est eux qui font la force de l'économie en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, quand Gbagbo a pris le pouvoir, j'ai dit, il faut intégrer vraiment les autres ethnies, mettez-les au travail. Parce que si vous ne, on ne travaille pas et qu'on est là, on va être aigri des étrangers. Mais les étrangers travaillent. En Côte d'Ivoire, dans les marchés, partout, ce sont ces femmes, ces enfants, ces hommes qui se battent pour que nous, on mange. En ce moment, je ne connais pas mes parents bêtés. Les gens de l'Ouest, là, je les connais. Babo, même là, à sa résidence, au plateau, devant les gens, il a dit, dans un discours. Il dit qu'il allait chez lui à la maison, son gardien, c'est un Burkinabé. Et son gardien, devant tous les bêtés, au palais, il dit son gardien, c'est un Burkinabé. Et il arrive chez lui à la maison, le gars a fait des tomates, il a fait ceci, cela. Et puis maintenant, il demande, mais qui a fait ça? Et ils ont commencé à dire le nom de son gardien. Babo a commencé, parce que lui-même, ses parents bêtés étaient là. Il ne pouvait même pas faire ça. Non, il s'est moqué des bêtés. Babo même s'est moqué des bêtés. Et la vidéo, je vais publier ça demain. Donc, moi, je suis là pour dire aux bêtés, réveillez-vous. Sortez du débat politique et puis cherchez à vous impliquer dans la paix pour la construction de vos régions, pour que vous-même, vous vous mettez au travail. Parce que si vous ne vous mettez pas au travail, personne ne voudra changer vos vies, vous les bêtés. Personne. La preuve en est que regardez-vous en Europe. En train d'organiser des soirées, chaque jour en train de danser. Vous savez quoi? Moi, je suis là pour vous réveiller, mes parents bêtés. Sortez du débat politique et mettez-vous à la disposition de ce système politique pour aider vos régions, à développer vos régions. Ne comptez pas sur des frères. Oui, ne comptez pas sur votre frère Babo, parce que Babo ne pourra plus rien faire. Babo a déjà perdu le pouvoir. Maintenant, vous avez Afi Nguessan. Allez-y vous asseoir avec Afi Nguessan. Vous... C'est-à-dire la meilleure façon pour vous d'aider Babo, vous les bêtez. Si vous l'aimez, je parle de certains bêtés. Je m'adresse à certains bêtés. Si vous aimez Babo, allez-y, vous comptez, c'est-à-dire vous formez une association, de vous créez votre association. Vous êtes des bêtés, vous créez votre association de bêtés en Europe. Vous voyez, vous partez voir Afi. Parce que c'est lui qui est le président du parti. Et puis j'ai vu hier, j'ai entendu. Béa Koukou, ils ont dit que, ah, et puis Zasso a soutenu Afi. Mais Béa Koukou,
Toi et ton Zadi Djedjé. Vous devez être quand même fiers de moi. Mais soyez quand même fiers de moi. Afi, là, j'étais ici quand on l'a mis en prison. Moi, j'étais à Bida et puis on a arrêté Afi, on l'a mis en prison. J'étais ici quand vous-même, entre vous-même, vous vous insultez, vous vous battez matin, midi, soir. Vous-même, vous accusez Afi de traite et de vendu. Vous-même, de trafic et vendu. Afi est traite. Alors que Afi, il était le dernier garçon qui a fait une conférence de presse comme Zasso. Nous, on était les derniers garçons sur le terrain. C'est suite à sa conférence de presse qu'il a été arrêté, il allait en prison. Mais Afi, là, vous l'aviez insulté, insulté, insulté. Même son épouse. Parce que vous, ce sont les injures. À part les injures, vous n'avez rien dans vos têtes. Vous n'avez rien dans vos têtes à part les injures. Vous n'avez plus rien. Aucune proposition. Pas d'idée. Vous ne proposez rien, vous n'avez pas d'idée. Ce sont les injures, c'est la haine. Mais votre haine là, venez nous faire le bilan. Ça fait 7 ans. Vous en êtes où avec votre haine? Zasso vous attend. Venez me parler. Votre haine là apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Votre haine apporte quoi à Gbagbo? 7 ans. Moi là, je suis un homme politique. Quand la fille a été sortie de la prison, son premier meeting, il l'a fait à Gagnoua, où il voulait menacer Ouattara. Que si Blé n'est pas libéré, nous, on va descendre dans la rue, on va faire ceci, on va faire ça. Quand la fille est rentrée à Abidjan, c'est moi qui l'ai appelé. Quand la fille est rentrée à Abidjan, c'est moi qui l'ai appelé. Et j'ai dit au grand frère, il faut quitter dans ça. Ça, ce n'est pas un débat. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de préparer le terrain du départ de Blé Goudé à la CPI. Beaucoup de fois, les quoi juste sont là. Je leur ai dit. J'ai dit ces menaces, ces discours, parce que vous ne savez, vous savez dans quelles conditions Bri a été arrêté. Vous, mais Zadi Djedjé sait que moi, Zadi Djedjé connaît beaucoup de vérités, parce que lui m'a expliqué beaucoup. Peut-être que c'est les gens du COGEP qui ne comprennent pas encore pour le moi. C'est qu'il faut alliance avec Bédier et puis chose. Mais sinon, moi, je sais. Sinon, Bédier même sait. C'est pour ça que Bédier a donné son option pour amener Bri à la CPI, parce que Bédier a des preuves. Donc, ce n'est pas à vous d'aller suivre Bédier, vous, le COGEP, avant de faire alliance. Mais sachez pourquoi vous faites cette alliance. Mais d'après certains, on dit que ça a la bénédiction de Charles Blé Goudé. Ils font leur alliance avec Soro. Ils font leur alliance avec Bédier pour chasser Ouattara. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends acte parce que Ouattara aussi, je ne vais pas vous laisser aussi. Ah oui, si c'est sûr, ça ne va pas s'attendre. Moi, je suis prêt pour vous. Hein. Je suis prêt pour ça. Je ne vais pas m'attendre avec vous. Le cas de Ouattara, on ne va pas s'attendre. Parce qu'il est aujourd'hui le seul chef d'État, après Ofwe Boigny, qui a élevé la Côte d'Ivoire, qui donne la dignité à la Côte d'Ivoire, qui fait revenir des chefs d'État, des diplomates, qui ouvre la Côte d'Ivoire à tout le monde. Grâce à lui, notre pays aujourd'hui est respecté au plan international. Non, moi, vous n'allez pas me distraire. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est ma position. Maintenant, vous proposez votre projet de société et puis vous m'envoyez. Si c'est bon, je vais lire, je suis un intellectuel. Vous m'envoyez pour vous. Vous faites d'assaut. Ah, vraiment, on a compris. Ouattara a fait des ponts, il a fait des routes. Bon, nous, là, d'assaut, à Gagnoua, nous, on va faire. Et on va faire échanger à Gagnoua. À la rentrée de Gagnoua, là, on va mettre des choses aussi. Comment on appelle ça? C'est quand on a mis ça, les choses, comment on appelle? Voilà. On va construire tout refaire à Gagnoua. À Gagnoua, les maisons de tes parents, là, les vieilles, vieilles maisons qui sont au bord des routes, hôpital de depuis combien d'années, là? Nous, en quand nous, on va venir, là, on va enlever ça, on va mettre à Gagnoua, hôpital moderne. Les routes de Gagnoua, Djoulabokou, les quartiers pourris de Gagnoua, là, on va tout changer. On va investir à Gagnoua, les entreprises de ces pays de Gagnoua, CIB qui est fermé depuis sous Gbagbo, depuis que Gbagbo a pris le pouvoir, les petites entreprises qu'on a fermées à Gagnoua, là, nous, on va venir relever ça. Il n'y a pas de problème, on peut s'attendre. Il n'y a pas de problème. Sur un titre là, on va aller à Dutrezon, on va aller à Korogo, à chose, Dutrezon, Korogo, Diokwe, chez nos parents, où est-ce que Soro a détruit? Où est-ce que Soro a détruit là? Vous allez faire quoi? Vous venez me dire. Ah oui! Les rescapés là. Ceux qu'on a tués, les enfants sont là. Les enfants orphelins, là. On va construire orphelinat moderne pour mettre tous ces enfants à l'école. Ces enfants, automatiquement, ils auront école, ils seront payés gratuitement, soignés gratuitement. Ils seront... En tout cas, les études, tout sera gratuit. Il n'y a pas de problème. Les femmes veuves, comme on a tué leur mari, les maris sont morts. Voilà la politique qu'on propose pour eux. Voilà les maisons qu'on va leur donner. Si vous êtes dans cette logique, moi je vais vous comprendre, moi je ne suis pas compliqué. Vous dites que Zasso change. Zasso change. Donc envoyez. On dit Zasso change. Envoyez-moi votre programme. Si c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la libération de Gbagbo. Zadi Djedjé, toi et tes parents bêtés qui soutenaient Soro. Parce que depuis, vous refusez de me faire le bilan de Soro. Moi, je ne fais que vous dire la vérité.
Frère, on lui a tout donné en 10 ans. École, santé, emploi, on n'a rien eu dans le Nord. Il a nargué le peuple du Nord. C'est Soro qui a nargué le peuple du Nord. C'est lui qui a opposé nos parents du Nord. C'est lui qui a divisé nos parents du Nord. Aujourd'hui, il veut faire la même chose. Moi, je ne vais pas lui donner la chance. En tout cas, comptez sur moi, je ne vais pas lui donner la chance. Désolé pour vous. C'est pour ça que je vous dis, vous les parents bêtés, venez me dire, depuis là, j'attends vos appels. Qu'est-ce que Soro a fait pour les régions bêtées, vous les bêtés là, dans vos régions là? Soro de 2008, de 2002, en 2000, il a fait quoi? Depuis 2010, en 2018, il a su au Parlement. Quels sont les plans, les projets de développement de Gagnoua, Issia, Daloa, Djibéroua, toutes ces villes que Soro a mis en place? J'attends ça. J'attends ça. Lui et ses députés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Zadi Djedje, Abel Djoré. Abel Djoré qui est petit député de Bayota. Abel Djoré là, il était directeur financier des Forces Nouvelles. Abel Djoré là, aujourd'hui il a dit que lui ne travaille plus avec Soro. Parce que Soro n'est pas sérieux. Et toi Zadi Djedje, tu t'en vas suivre Soro à cause de... Il va te donner quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner quand Ahmed Bakako ne peut pas te donner Soro? Zadi, qu'est-ce que... Depuis que tu es venu, tu es devenu noir. Tu as vu dans tes vidéos. C'est-à-dire la galère a commencé à sentir sur toi. Tu n'as pas eu visa avec celle qui est aux États-Unis. Maintenant, tu es Soro, tu cherches asile politique. On donne plus ça comme ça. Oh. Peut-être que quand tu vas venir ici, on va chercher des femmes à Paris. Tu vas marier. Mais elles vont te fatiguer aussi. Quand tu vas venir ici, là, peut-être parce que tu es en train de faire vidéo. Qu'elles dansent avec toi. Mais le jour où tu vas rentrer en Europe ici, là, tu vas laisser ta peau ici. Papier, elles ne vont pas te donner. Oh. Elles ne vont pas te donner papier. Elles vont te fatiguer. Tu vas voir. Il faut venir être à côté. En tout cas, si tu viens là, il faut venir à tes bouteilles d'atoté. Moi, je te dis ça tout. Le jour que tu viens en France, viens à tes bouteilles d'atoté. Parce que les mêmes femmes, elles vont te jeter demain au dehors. Elles vont te jeter au dehors. Elles n'ont pas sentiment. Parce que les papiers, elles ont souffert pour avoir ça. Quand tu es là-bas, elles vont liker tes vidéos. Elles vont liker, elles vont t'encourager, elles vont insulter les assos. Mais le jour, toi, mets tes pieds en Europe ici. Là. Tu as dormi chez elles 2 jours, 3 jours, 4 jours, elles vont te mettre au dehors. Donc, il faut te battre pour obtenir tes papiers normalement, comme Zasso. Moi, je suis là, je n'ai pas de problème. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Je suis tranquille. Aucune femme ne peut me manipuler. Parce que tout est propre. Sinon, j'allais faire comme les Serge Kassi. J'allais faire comme les Gadji Seli. Quand elles vont dire, viens ici, elles nous prennent, elles nous amènent ici, elles nous envoient ici. Elles ne vont pas nous marier, elles ne vont pas nous donner papier, mais elles vont nous fatiguer. Et c'est elles qui vont venir faire vidéo pour insulter les gens matin, midi, soir, alors qu'elles ne sont même pas capables de nous donner papier. Nombreux de pro-babo sont là-bas à Paris. Elles ont papier, elles ne veulent pas donner à leurs frères. Elles ont papier, elles ne veulent pas donner à leurs frères. Elles vont fatiguer leurs frères matin, midi, soir. D'autres mères sont bêtées, attiées et autres, babo ou rien. Elles ont papier, mais elles ne veulent pas donner. Même les hommes. Les hommes, ils ont papier, ils vont fatiguer les femmes là. Ils vont les fatiguer, ils ne vont pas donner papier. Et après, les femmes là vont rester là seules dans le désespoir. Ils vont quitter là-bas, ils vont venir faire vidéo pour insulter les assos. Je ne vais pas vous laisser. Moi, je ne vais pas vous laisser. Hein. Désolé. Mais je ne vais pas vous laisser. Aucun étranger ne sera chassé de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara et moi, on va faire alliance maintenant pour ça. Zadi, je t'informe maintenant que l'alliance là, ça sera fort. Aucun étranger ne sera chassé, il n'aura plus de match retour. Nous, on va encourager Ouattara, il va développer Gagnon. On va le dire au Ahmed Bakayoko, vraiment, vous avez déjà commencé à Ségué là, c'est bon. Passez aussi à Gagnon, on dit, ils sont en train d'arranger la route de Gagnon. On va arranger Djibéroua, Issia, Daloa, San Pedro, vers tout là-bas. Là, on va arranger, on va profiter de Ouattara pour construire les régions BT et autres qui sont restées dans la pauvreté sous le régime FPI, sous le régime Gbagbo. Les régions BT qui n'ont pas eu d'infrastructure, qui n'ont pas eu de développement, qui n'ont rien eu là. Ces régions BT là, nous on va les développer. Vos émotions là, nous on en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Et puis ne mélangez pas tous vos BT dans vos histoires de colère, de haine, d'ignorance là. Ne mettez pas tous les bêtés dedans. Il y a des bêtés normaux, consciencieux, responsables, qui étaient en Côte d'Ivoire et qui ont vu comment vous avez géré ce pays. Nous, nous sommes là. Nous sommes tranquilles. Nous sommes sereins. C'est pour ça que tout combat qui consistera à déstabiliser Ouattara, vous allez me trouver sur votre chemin, Zadi Djedje. Maintenant, la fin de mon discours, Zadi Djedje. Parce que je sais que vous-même, en 10 ans, vous n'avez rien fait. Voilà, en 10 ans, là, vous êtes embrassé à Soro, vous êtes allé faire flamme de la paix. Flamme de la paix, après, on vous a renversé. Quand on a fini de vous renverser, on dit vous êtes des dictateurs, vous êtes des extrémistes, vous êtes des criminels. On vous a traité de tout. Aujourd'hui, vous allez faire encore alliance avec Soro. Vous ne demandez même pas les Désiré Tagro, les quoi qui ont été tués. Tous ces morts, ça ne vous intéresse plus. Vous vous en foutez. On a dit à Désiré Tagro.
Tiens ça là. Tiens fou là, il faut sortir. Zasso a parlé, on n'a pas écouté. Les dits d'Aquachi ont parlé, n'ont pas écouté. À la dernière minute, quand ça ne chauffait pas, on a pris son dit. On dit Désiré Tagro, tiens, il faut sortir dans les armes là. Là où Afi allait voir les ambassadeurs pour dire on va bloquer l'affaire comme ça, Babo va sortir. On n'a pas écouté Afi. Hein? À la dernière minute là, on a pris le papier, ça là. On dit Désiré Tagro, tiens, il faut sortir. Quand Désiré Tagro est sorti, on a tiré sur lui une fois. Désiré Tagro a fui, il est rentré encore. Il dit ah, c'est pas bon. On dit non, sois fort, sois courageux, vas-y encore. On a donné à Désiré Tagro deuxième fois. Quand il est sorti, on l'a arrêté. Ici, Désiré Tagro, il est mort. Et la personne se lève, et Soro se lève. Il va s'impliquer dans une déstabilisation du Burkina Faso. Et Soro fait une vidéo dans laquelle le même Soro dit on a tué Désiré Tagro. Si on n'avait pas tué Désiré Tagro, nous, on n'allait pas connaître la paix. Un homme qui a dit ça, vous le pétez, vous le soutenez. Il vous dit, il va même, ils envoient des délégations raconter Blé Goudé. Et puis Blé Goudé et son concept sont d'accord. Mais vous savez, moi je respecte les morts. Mais pour tous ces morts-là, à partir d'aujourd'hui, vous et moi, on a coupé Ignam. Ça c'est clair, vous et moi, on a coupé Ignam. Ignam l'a fait couper. Parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sincère. C'est-à-dire, vous suivez tout ce qui va faire plaisir à vos colères. C'est-à-dire votre esprit de vengeance. Tout ce qui va faire plaisir à votre esprit de vengeance, le reste, vous vous en foutez. On a coupé Ignam, ne comptez même pas sur moi. Ignam est coupé. Bientôt, je vous dis, oh, moi je crée mon mouvement, je rentre au pays. Dans peu de temps, je vais rentrer au pays, je vais mettre ma coalition en place. Ah oui, je vais mettre ma coalition en place. Et puis ce que j'ai appris ici, là, je vais appliquer ça sur le terrain. On va mettre fin à la guerre, on va mettre fin à la violence, et puis on va faire la politique. Oui, anti, on fera des projets de développement. Maintenant, à la fin, Zadi Djedje, pourquoi ton Soro ne peut pas libérer Babo? Zadi Djedje, pourquoi ton Soro ne peut pas libérer Babo? Ton esprit xénophobe, ton esprit de haine, toi, tu passes ton temps à croire à la division ethnique, là. Quand tu vas prendre le pouvoir, là. Parce que pour toi, vous allez vous appuyer sur votre ethnie pour régler des problèmes. En tout cas, comptez sur nous. Les Gandhi, là, ils n'étaient pas nombreux. Les gens qui ont mené les meilleures luttes, c'était des gens responsables comme les assos. Les gens qui aiment le peuple, qui aiment la Côte d'Ivoire et qui sont humbles. Ils se disent, je vais te dire, Zadi Djedje, toi et tes amis qui réfléchissent comme toi. Toi et tous tes amis qui réfléchissent comme toi, là, je vais vous dire aujourd'hui. Libération de Babo, là. Parce que j'ai attendu un certain pro-Babo, un des conseillers, ancien conseiller de Babo. Des gens qui ont pris beaucoup d'argent de Babo comme ça. Beaucoup d'argent, Babo leur a donné beaucoup. Les Bernard Houdin, les quoi, leur groupe, là. Babo leur a donné beaucoup d'argent comme ça. Beaucoup. Des milliards sur des milliards. Ils n'ont même pas sauvé le régime Babou. Ils n'ont même pas aidé Babou. Même liberté provisoire. Ils sont en France. Tout l'argent, les ont ça. Ils vivent en France. Ils n'aident même pas Babou à bénéficier d'une liberté provisoire. Ils n'aident pas Babou à bénéficier d'une liberté provisoire. C'est ces mêmes-là qui se lèvent aujourd'hui, qui disent que Babou sera libéré en novembre et ou en décembre. Ils ne disent pas eux, ils disent ou en décembre. C'est-à-dire eux, ils font comme Sangaré et son cas. Ils ne nous disent pas clairement quand Babo sera libéré. Mais eux, ils sont toujours là, ils jouent avec notre esprit. Ils jouent avec notre esprit pour faire rêver les militants, pour faire rêver les pro Babo qui ne comprennent rien. En décembre, ou à ceci, Jean-Pierre Bemba, moi, quand j'arrivais en Suisse ici, je vous ai dit que son avocat, l'un de ses avocats était mon avocat. Quand je suis arrivé ici, un avocat très, très efficace, très, très efficace. Il m'a déjà tout expliqué. J'ai pris conscience. C'est pour ça que j'ai interpellé les gens. Jean-Pierre Bemba, là, c'est l'État belge, qui a signé un accord. Jean-Pierre Bemba, c'est l'État belge qui a signé un accord avec la CPI. C'est l'État belge qui a signé un accord avec la CPI. Je dis bien l'État. Je ne parle pas des individus. Hein. Moi, je ne suis pas dans les hommes. Je ne parle pas d'individus. Je dis c'est un État. Je répète et je le répète encore.
Parce que quand on a été à l'école, c'est pour savoir ouvrir les oreilles et puis écouter les gens. Jean-Pierre Bemba, là, c'est l'État belge, j'ai dit gouvernement belge, là. La Belgique, là. Ceux qui ont des pays colonisés en Afrique, qui ont colonisé la Belgique, tout cela. Et ils se sont levés, ils sont allés voir la CPI. On dit, on n'a qu'à signer papier. On va signer accord. Jean-Pierre Bemba va sortir de la prison. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba est sorti et c'est l'État belge qui lui donne un passeport diplomatique. En même temps, le même État, c'est-à-dire l'État accepte de protéger Jean-Pierre Bemba, de tout donner à Jean-Pierre Bemba. Et lui, l'État, nous, on prend la responsabilité, nous les Belges là, on prend la responsabilité. Si Jean-Pierre Bemba est libéré, sa sécurité, tout, c'est nous. C'est nous. C'est ce que l'État belge a fait. Et vous êtes là, vous pensez que c'est un problème de plaisanter, de dire la Berti, de Bernard Houdet? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand est-ce que Zasso va vous parler? Quand est-ce que je vais expliquer les choses simplement? Je vais vous expliquer les choses simplement. Ce n'est pas une... Les Bernard Houdin, là, s'ils étaient des gens, il y a longtemps, Babo serait libéré. Les Bernard Houdin, le temps où ils étaient forts, les Guy Laberti, le temps où ils étaient forts, les Matéi, les quoi, là, le temps où ils étaient forts, là, c'était sous Guy Robert. Les amis socialistes étaient au pouvoir en France. Là, ils étaient forts, ils ont chassé Gay. Ils ont soutenu le FPI, ils ont chassé Gay. Maintenant, le système politique en France a changé. Macron, là, c'est un jeune, il est moderne, c'est les amis d'Ahmed Bakayoko. Donc, Macron, là, il ne se voit pas. Lui-même, il a son projet de train en Côte d'Ivoire. Oui, il allait faire une inauguration, hein, le président Ouattara. Lui, il est dans la continuité. Actuellement, lui, il a son projet de plein train, c'est des milliards. Tous les investisseurs sont là. Le train urbain qu'ils ont inauguré en Côte d'Ivoire. Donc, Macron, il a déjà son projet. Non, ce n'est pas Macron qui va vous aider à faire un coup d'État. Ce n'est pas Macron qui va engager la France dans la libération de Gbagbo. Non. Et pour que Gbagbo soit libéré, il faut que Gbagbo lui-même écrive une lettre. Mais Jean-Pierre Bemba a écrit. Ce n'est pas tout en exposé. Moi, quand je vous dis, vous pensez à ça, moi, je suis en Suisse ici. Ici, là, j'ai des grands amis avec qui je parle, qui m'expliquent le monde. Ici, là, c'est ici que se trouvent toutes les grandes institutions du monde. Ici, quand tu appelles, on t'explique. Comme ça, ça me libère. Moi, je ne fais que vous aider aussi. Ne rentrez pas en palabre avec moi, ne soyez pas fâchés contre moi. Moi, je ne fais que vous expliquer comment les choses se passent. Aujourd'hui, là, pour que Gbagbo soit libéré, il faut que soit les États-Unis, la Russie, les grands pays puissants, un de ces pays se lève pour dire: nous, on est prêt à garantir la sécurité de Gbagbo. Nous, on est prêt à donner ça. Nous, on est prêt à donner ça. Nous, on est prêt à donner ça. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La CPI va dire qu'il n'y a pas de problème. Si vous avez des garanties, des quoi, quoi, tout ça, c'est beaucoup d'argent. Alors que Jean-Pierre Bemba, lui, il a beaucoup d'argent. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme d'affaires. Jean-Pierre Bemba a des affaires. C'est pas n'importe qui. Donc, il y a eu un grand réseau diplomatique. Alors que tous les pré-babos, les Stéphane Kipré, c'est des voleurs. Les Stéphane Kipré, ils ont pillé l'argent français. Non, Stéphane Kipré ne peut pas convaincre quelqu'un. Il ne peut pas. Parce qu'on sait d'où vient sa richesse. Ce n'est pas quelqu'un qui a bossé, ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé. On sait d'où vient la richesse de Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, pour que Gbagbo soit libéré, il faut que le parti de Gbagbo soit uni. Il faut que le FPI ait un leader responsable qui va engager le débat de la négociation de la libération de Gbagbo avec non seulement le régime d'Abidjan et puis maintenant la communauté internationale. Il faut convaincre tous ceux qui ont le droit de veto à l'ONU parce que Gbagbo les a défiés en 2010. En 2010, quand Obama t'appelle et il te fait des propositions, et puis tu dis tu ne veux pas. Mais une fois qu'ils sont engagés là, ils ne vont pas reculer. Moi, je ne fais que vous dire ça, ce n'est pas pour vous mentir, ça va vous faire mal, c'est votre problème. Mais moi, devant Dieu, je vous ai déjà dit quelque chose. Du moment que vous-même vous reconnaissez partout que maintenant Obama a appelé Gbagbo, et puis Gbagbo a dit non, Gbagbo a dit non. Mais, chers amis, mais les mêmes Français là, Obama savait. Quand en 2000, quand Gbagbo Gueye partait aux élections, les États-Unis et l'Afrique du Sud ont dit reprenez les élections. La France socialiste, dirigée par les Chirac et les François Hollande et autres, ont dit Gbagbo a gagné les élections. Donc la France a pris acte. Les États-Unis ont pris acte. Maintenant, en 2010, les États-Unis, à leur tour, sont alliés à la France. Et John Soros dit Gbagbo a gagné les élections. Et Ouattara a gagné les élections. John Soros dit c'est Ouattara qui a gagné.
Et que Gbagbo veut confisquer le pouvoir, la communauté internationale prend acte, puisque c'est Soro qui était l'allié de Gbagbo. Ils n'ont pas respecté les accords politiques de Marcoussis, ils ont créé leur même propre accord, ils ont tout fait ensemble. Maintenant, Soro dit c'est Gbagbo. Donc, eux, ils prennent leur responsabilité. Donc, pour libérer Gbagbo, il faut que le régime d'Abidjan donne d'abord son accord. Il faut que la France, c'est-à-dire le système politique français, ça sert pour dire, nous on est prêt pour Gbagbo, on va l'accueillir en France, on va lui donner tout, on est prêt pour plein goûter. C'est le procès qui est lancé là. Les gens jouent avec l'esprit des militants FPI. C'est-à-dire, on vous fait tellement rêver que vous ne cherchez plus à vous unir au sein de votre parti. Parce que certains croient que Afi et son camp sont des traîtres, ce sont des vendus. Donc, ils ne cherchent pas à ouvrir les yeux pour réfléchir sur l'avenir de notre parti politique. Parce que pour eux, quand Gbagbo va revenir, il va revenir au pouvoir. Et certains même vont plus loin dans leur ignorance. Dans leur ignorance, ils vont plus loin. Quand Gbagbo va revenir, Ouattara va partir. Mais Gbagbo était là, puis Ouattara a pris le pouvoir. C'est pas son retour. Tu reviens là, il est quoi? Il revient là, il est quoi? Il revient là, il est quoi? Il va faire quoi? Il va revenir là, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il n'a pas l'armée, il n'a pas la police, il n'a pas la gendarmerie, il n'a rien. Et puis où est le peuple là? Le peuple là, il est où? Les choses ont changé. Regardez aujourd'hui, quand Gbagbo n'était pas là, regardez les buildings qu'on attend de construire en Côte d'Ivoire. Vous pensez que certains Ivoiriens consciencieux vont se lever demain pour dire on n'a qu'à aller détruire ça, fait par là? Non. Il y a d'autres qui vont se barricader, vont dire non, nous on investit, nous on a construit, on ne va pas détruire nos biens. Parce qu'on a joué ce jeu. Et puis à Korogo, Soro a détruit nos biens, Soro a détruit nos entreprises, Soro a tout détruit avec ses amis. Donc nous, on ne tombe plus dans le jeu. Voilà, chers amis. Alors, je pense que Zasso a beau parler. Il faut aller leur dire, allez-y leur dire que Zasso dit. La libération de Gbagbo, ça passe par un dialogue politique. Ça passe par l'unité des cadres FP. Ce n'est pas aller faire alliance à Bédié. Ce n'est pas aller faire alliance. Bédié aller faire alliance au nom de Soro. Soro envoyait des gens à la CPI. Ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire cela. Non. En tout cas, allez-y là, dit que Zasso dit les injures là, moi ça ne m'intéresse pas. Les béakoukougnons qui font vidéo des femmes qui insultent maman des gens. Une femme qui fait vidéo pour insulter maman des gens. Un enfant comme Zasso. Moi je suis un enfant. Moi je ne suis pas encore vieux, je suis enfant. Parce que Dieu m'a béni, c'est tout. Et puis tu es jalouse de moi. Tu es jalouse de moi, bizigou, sorcellerie. Tu es une sorcière. Bien Koukounyo, tu es une sorcière. Votre combat nationaliste, là, fait quoi à la Côte d'Ivoire? Votre combat nationaliste, là, ça fait quoi à la Côte d'Ivoire? Moi, je suis béni. Je suis un enfant béni de Dieu. Je suis béni. Je suis béni de Dieu. Ici, là, je peux me promener partout dans le monde. Je prends bien et je suis parti. Je prends mon billet, je m'en vais, je fais ici, ici là. Quand j'ai fini comme ça, je bois ma bouteille de champagne, je bois les vins, bon vin, j'ai pas mal à la tête. C'est pour ça que quand je réfléchis là, je réfléchis bien. Et c'est ce que Ouattara veut faire en Côte d'Ivoire. Donc nous, on va encourager Ouattara à faire de ce pays un grand pays. On va encourager Ouattara parce qu'il a déjà pris de l'âge. Il a des grands enfants, il va nous transmettre toute cette force énergique que lui-là, et puis il est en train de construire ce pays-là. Il va nous transmettre ça, et puis demain, quand lui ne sera pas là, nous, on va continuer le travail. Ah oui, priez Dieu que moi, Zasso, je ne sois jamais président en Côte d'Ivoire. Mais vous, les bêtés, là, il y a certains bêtés, là, moi, je vais vous canaliser, je vous le jure. Si moi, je suis président, là, vous allez travailler, vous, les bêtés. Oh, tu fais du bruit, là. Non, mais tu dis de ne pas donner du bruit, ici. Ah d'accord, je viens tout à l'heure. Voilà, moi je vais vous canaliser, parce que vous, nous, notre peuple bété là, c'est de nous on se moque, on dit on ne travaille pas, on est ceci. Au lieu de nous réveiller, Gbagbo qui était au pouvoir pour réveiller les bétés pour travailler, Gbagbo même se moquait des bétés. Gbagbo s'est moqué de vous les bétés sous son régime. Donc je ne vais pas accepter vos injures. Voilà. Gbagbo s'est moqué des bétés au palais. Il dit on est paresseux, on ne sait rien faire dans nos régions. C'est lui alors qu'il était au pouvoir, mais quand on est au pouvoir, quand tu veux au pouvoir que ton peuple ne travaille pas, c'est toi qui les mets au travail. Rollins a mis les gagnants au travail. En Russie, partout, on a mis les peuples au travail. En Chine, en Suisse, partout, on a mis les peuples au travail. Quand tu viens là, tu ne les fais pas danser.
Tu as pris les BT. Attends d'organiser le président du conseil général de Gagnoua danser, organiser soirée des BT. Et les BT vont partir danser. En France, on danse. Partout, les BT dansent. Pendant que les autres sont en train de travailler. Les autres troupes partout. Ils sont partout. Les BT dansent. Et c'est les BT qui sont toujours en colère. C'est eux qui insultent. C'est eux qui menacent. Le frère de Dakour Tabré. À cause des politiques. À cause des politiques. On a pris le frère de Dakour Tabré, un médecin. On a pris son corps, on a fait traîner ça à Gagnoua. Parce qu'on aime Gbagbo. Au nom de Gbagbo, mais de la manière que vous avez tué les autres, vous ne pouvez pas me tuer comme ça. Oui, je viens de Gagnoua. Vous ne pouvez pas me tuer. Et vous n'allez même pas me tuer. Comptez sur moi pour ça. Le combat que je vais mener pour ma région, j'irai voir Ouattara. Il va nous aider à développer Gagnoua. Il va nous aider à changer les conditions de vie des BT de Gagnoua. Il va nous aider à faire venir des investisseurs à Gagnoua, Djibéloua. Ici, on va développer ces régions. Moi, vos émotions du FPI, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas et ça ne peut pas m'intéresser. Désolé pour vous. Voilà. Alors, chers amis, en tout cas, moi, je vous aime. Je vous adore. Allez-y leur dire que Jean-Pierre Bemba, c'est la Belgique qui l'a libéré. C'est l'État belge qui a signé un accord. Gbagbo ne sera pas libéré en novembre ni en décembre. Dites-leur que la libération de Gbagbo passera par un dialogue franc entre le régime d'Abidjan. Oh là là.